Merci d'avoir accepté notre invitation, Aline Schulman. Vous êtes née à Casablanca, vous avez grandi dans cette ville. Ensuite, vous avez fait vos études à, en France et vous êtes devenu d'abord professeur à l'Université des Rennes, puis à la Sorbonne, où vous avez enseigné la littérature espagnole et latino-américaine contemporaine jusqu'en 1999. Très tôt, vous vous êtes orienté vers la traduction. Vous publiez chez Gallimard en 1969 une anthologie du poète Luis Cernuda, La Realidad y el Deseo. Juan Goitisolo, qui était à l'époque le conseiller littéraire pour l'Espagne et l'Amérique latine de, de la maison Gallimard, vous propose ensuite de traduire son roman Don Julien, qui paraît en, en 1971. Et à partir de là, vous allez devenir sa traductrice attitrée. Avec pas moins de 12 livres de, de Juan Goytisolo traduits en, en français. Dans les années 60 et 70, vous vous intéressez aussi à la littérature latino-américaine, qui connaît alors un boom planétaire, on appelle le boom de la littérature latino-américaine. Vous traduisez le, le chilien José Donoso, notamment le roman Ce lieu sans limite, publié par Calman lévy en 1973, puis les cubains Reynaldo Arenas et Severo Sarduy, et plus tard, les, les nouvelles de Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain Carlos Fuentes. À partir des années 90, vous vous lancez dans la traduction des grands textes littéraires du siècle d'or. Rien de moins, vous vous lancez dans une traduction de Don Quichotte, qui apparaît au Seuil en 97, puis de La Célestine, ensuite du roman picaresque de Quevedo. Et plus récemment, plus récemment, vous avez traduit une anthologie des textes de Santa Teresa de Ávila, Le chemin de perfection, publié chez Fayard. Merci et bienvenue à ce séminaire Medetlat, Aline Schulman. Merci Gustavo de m'accueillir ici, surtout. Je suis très émue, ça peut-être pas l'air, mais c'est vrai, d'être à l'école normale supérieure. Et, et de venir parler euh, de venir parler d'une carrière parce qu'en fait c'est toute une vie c'est toute une vie dont, dont il va falloir que à travers vous enfin de, que je me justifie il va falloir que je me justifie de ma vie entière ça <laughs> va pas être facile pas du tout mais on va commencer effectivement par chronologiquement avec une question sur vos années de formation je viens de les dire vous êtes né à Casablanca, aux uns d'une famille polyglotte et, et habituée à la coprésence des de plusieurs langues dans son quotidien, euh, je voudrais savoir si vous avez un, un souvenir précis de votre apprentissage de l'espagnol. À quel moment oui. se produit votre rencontre avec la langue espagnole et, et à quel moment vous, vous décidez, vous voyez que votre vocation est celle de, de devenir une hispaniste Ce serait Tellement long à raconter que ça va être dit en trois phrases, autrement ça n'est pas possible. Nous sommes pour des raisons historiques. Euh, ma famille euh, a voyagé en Argentine. Nous sommes arrivés à Buenos Aires le jour de mes quatre ans. Voilà, je n'irai pas dire quelle date, quelle année, non, on devine ou pas. Euh, et puis nous en sommes repartis quand j'en avais cinq et demi, c'est-à-dire que j'ai appris à lire et à écrire en espagnol. Ensuite, retour au Maroc, d'où nous arrivions, où on parlait l'espagnol et le français. Donc, l'espagnol n'a jamais quitté véritablement euh, ma vie. Je lisais euh, Cinderella en anglais parce que ma mère était anglaise. Je lisais Cendrillon parce que j'étais française, et je lisais La Cenicienta parce que parce que je parlais espagnol. Vous voyez, donc, euh, dès le départ, il y a eu trois langues chez moi, dont l'espagnol. Euh, je dirais pas en priorité, mais à égalité avec le français. Euh, à partir de là, euh, je dois vous dire que ce qui m'a encouragé à faire de l'espagnol, c'était un professeur que j'avais en seconde, qui s'appelait Madame Hoyo, qui devait certainement être d'origine espagnole, et qui nous a expliqué ou dit San Juan de la Cruz comme on a comme personne. Et ce, ce la noche occult m'est restée à vie gravée. Euh, et je me suis dit, ça, ce serait formidable. Bien. Entre-temps, la vie aidant, je voulais faire médecine. Et je me suis dit, l'espagnol, bof. Nous arrivons en France, puisque l'indépendance du Maroc, etc. Donc nous arrivons à Paris, je finis mes études à Paris, et puis je tombe amoureuse, comme tout le monde aussi. Et mon amoureux me dit, mais si tu fais médecine, on ne se verra plus fait espagnol. Et c'est de là que tout a découlé. Alors, voyez-vous, quand on dit vocation, c'est très vite dit. On peut toujours faire semblant. Mais en vérité, c'était ça. Donc j'ai fait espagnol et je suis entrée à l'Institut Hispanique, que ma petite fille dit, appelait l'Institut Panique. <laughs> Parce qu'elle Enfin moi, ouais, c'était pas mal. Euh, voilà, pour vous donner une petite idée, c'était ça, c'est la question que vous m'avez posée. Donc, euh, il y a eu cette découverte de l'Espagne à travers ce professeur de seconde, qui, il n'y avait pas seulement euh, San juan mais il y avait Unamuno, il y avait bien sûr Lorca, euh, il y avait tout, tout, tout ce monde merveilleux qu'elle m'a fait découvrir. Votre, votre sensibilité a été formée, donc votre sensibilité littéraire, par la lecture de ces classiques voilà, et puis ma sensibilité littéraire, il faut aussi que je dise que mon amoureux était un, je ne donnerai pas son nom, je vais l'appeler Chano, mais était un, un très grand compositeur euh, contemporain euh, de musique. Classique, bien sûr, et c'est à travers lui que j'ai vraiment connu Lorca avec le llanto por Ignacio Sánchez Mejías, avec. On parlait espagnol ensemble, il me lisait sans arrêt des poèmes et de San Juan et de Lorca. Il me disait même cette phrase, euh, je vous dirais entre guillemets, après l'amour, n'est-ce pas euh, J'avais faim. Bon, alors il me donnait du chocolat et il me disait, en se trompant d'ailleurs, comme je m'en suis rendu compte après coup, comme Sancho. Que yo nassi para vivir queriendo y tú para morir comiendo. Or, or, quand j'ai traduit le quichotte, tout d'un coup, je tombe sur cette phrase. Et la vraie phrase, c'était quoi Como Sancho, que yo nassi para morir queriendo y tú para vivir comiendo. Alors, c'est très content d'avoir pu rétablir la vérité. Ça, ça a commencé par une mauvaise traduction, <laughs> <en réalité>. Exactement. <laughs> Exactement. Je, je suis très intéressé par votre. Euh, rapport avec l'espagnol, parce qu'il commence par la littérature, par l'amour de la littérature, finalement. Par l'amour de la littérature, par, comment dirais-je, par une nécessité vitale, je dirais d'abord, le fait qu'on parle avec les amis, on parle. Et puis, il y a la radio. Vous savez, Radio Tanger et Radio Andorra. Qu'est-ce qu'on entend au Maroc radio Alors, para Pepita, de Dolorcita, con ese que, no sait sé quanto. Donc, on est sans arrêt dans la musique aussi. Donc, il y a à la fois la littérature. Il y a la musique et puis il y a le quotidien. Mm -hmm. C'est un ensemble, la langue espagnole, pour moi. Vos premières traductions, nous avons parlé de la, de la traduction de la réalité et le désir, la réalité et de Cernuda. C'était vos premières traductions Vous avez commencé par Cernuda ou il y a, il y a eu d'autres essais euh, préalables Il n'y a eu même pas un essai. Vous savez, la poésie, pour moi, c'était l'espagnol, comme je vous ai dit. C'était l'Orca, c'était San Juan. Or, je me trouve tout d'un coup, j'avais 18 ans, face à une poétesse française dont tout le monde ignore le nom ici, Sabine Sico. Mais si vous regardez sur Internet, vous le trouvez. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça, ça doit être mis en espagnol parce que c'est trop beau. Et j'ai traduit euh, une dizaine de poèmes de Sabine Sico qui ont été publiés dans le Cuadernos Hispano-Americanos. Donc, à 19 ans, j'avais fait le chemin inverse de traduire du français en espagnol, donc Cernuda c'était euh, ma deuxième traduction poétique, mais cette fois de l'espagnol en français. C'est Juan Goytisolo qui vous a demandé de traduire Cernuda Pas tout à fait, c'est Monsieur Robert Marast, notre regretté euh, hispaniste. professeur hispaniste, euh, que j'ai beaucoup aimé toujours et qui m'a beaucoup aidé, toujours, et qui, sachant que j'ai une thèse sur Cernuda, et à qui Juan Goytisolo avait demandé la traduction d'une anthologie de Salgues qui m'a dit il ne voudrait pas m'aider parce que j'ai beaucoup de travail et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, donc c'est par l'université que vous arrivez C'est par l'université, par l'université. Ensuite, c'est Juan Guiti qui vous demande de traduire euh, Don Julien, en, en 69. Le roman paraît en 71. Mais nous sommes à Paris et c'est le boom de la littérature latino-américaine. Euh, vous rencontrez à Rennes, vous êtes professeur à Rennes à l'époque. Et vous rencontrez Claude euh, Fell et Albert Bensoussan. Oui. Les, les deux sont à Rennes. Est-ce que l'influence de l'un et de l'autre a été déterminante pour vos choix d'auteurs latino-américains, pour votre découverte de l'Amérique latine euh, Ma découverte de l'Amérique latine, peut-être pas. J'étais surtout très liée avec Albert Bensoussan. Et Albert Bensoussan était lui-même très bien introduit chez Calman Levy. Il traduisait déjà. Et donc, c'est lui qui m'a proposé euh, de traduire euh, El c'est sin Limites. Alors, moi, je n'allais pas dire non. Alors, j'ai dit oui. Mal m'en a pris. Okay. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si avec Juan, la chose s'est passée au mieux, mais je crois qu'on parlera de Juan une autre fois, mais c'est parce que nous avions des liens communs. Il, habitait, il avait écrit dans à tanger et moi. J'avais habité Tanger pendant trois ans. Donc, nous avions des, comment des points de repère géographiques euh, comment identiques. Or, le Chili, le Chili du bout du monde, del lugar une limites, pour moi, c'était un lieu totalement inconnu. Et j'ai eu un mal fou à le traduire. Vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi et si les traducteurs seront d'accord avec moi, mais pour traduire, il faut visualiser. C'est-à-dire, il faut d'une certaine manière reconnaître, non pas connaître, mais reconnaître de quoi il est question. Alors moi, si je ne visualise pas, je suis incapable de traduire. Or, ce bout du monde chilien, je ne le voyais absolument pas. Et si, et je peux avouer que si, Albert Bensoussan n'avait pas été là pour reprendre ma traduction, c'était une vraie catastrophe. Je, je, vous, je vais vous citer euh, en 1987, lors d'une table ronde aux assises de la traduction à Arles. Je vous cite, vous dites ceci Les traducteurs doivent être capables d'apprécier le niveau exact de familiarité ou de vulgarité d'une expression. Ne pas faire parler un camionneur du fin fond du Chili à la manière d'un grand chambellan, comme cela m'est arrivé à mes débuts. Absolument. Et c'est de ce livre dont je voulais parler. Mais oui. je, je ne veux plus en parler parce que, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce. Votre ce relation fait. avec Ben Soussan est très importante à cette époque pour oui. le début de votre carrière de, de traductrice. Oui. C'est lui qui vous introduit chez, chez Carmen Levy, oui. c'est lui qui relie aussi vos premières traductions de l'espagnol ben, C'est-à-dire, pas mes premières, si vous voulez. Ma, mon introduction, c'est chez Gallimard. Mais entre Don Julian et Juan Cintierra, j'ai. Albert me demande de traduire et à ce moment-là je le fais parce que je me suis dit ça y est je suis traductrice j'y vais tu parles hein? <laughs> m'attendais pas à ça du tout et, et, et donc je ne suis pas traductrice encore puisque je suis incapable de, de traduire n'importe quoi et, et donc Albert m'a aidée il a relu et re, réécrit les passages qui étaient mauvais et après je suis retournée avec délice avec Juan parce qu'avec Juan il y avait justement cette ce rapport, si vous voulez, de, de reconnaissance, de reconnaissance visuelle que j'avais avec lui et ses livres. Est-ce que vous avez fait appel à, à José Donoso pour résoudre les, les problèmes posés par la traduction de son roman Est-ce que vous avez eu du contact avec lui Est-ce que vous avez échangé avec lui à propos de, de la traduction Alors, de Ce lieu sans limite Malheureusement, c'est un des seuls auteurs que j'ai jamais traduit avec lequel, un des seuls, je ne pas le seul, avec lesquels, euh, lequel je n'ai jamais eu de contact. Je savais qu'il existait, mais je ne savais pas où. Et, et quand je ne savais pas, heureusement, Albert était là. Alors c'est Albert qui a été mon Donoso français, si vous voulez. C'est lui qui m'a aidé Voilà, non, je n'ai jamais eu de contact avec Donoso. Et, et par la suite, vous l'avez jamais rencontré Jamais, non plus. jamais. Et vous n'avez jamais eu les, les désirs ou l'intention de reprendre ce premier roman De reprendre l'auteur ou de reprendre mmh. De reprendre la traduction. Mais Albert l'avait tellement bien fait. Je n'ai aucune <laughs> raison le faire. Ça ne peut pas être mieux que ce qu'il fait, vous comprenez Ah non, non, là, vraiment. <laughs> Très bien. Et plus tard, dans les années 90, vous, vous devenez la, la traductrice de deux grands écrivains cubains, Severo Sarduy et de Reynaldo Arenas. Lorsqu'on lit la correspondance de, de Reynaldo Arenas, on découvre qu'il n'y a pas eu seulement une, une grande rivalité entre Sardouille et Arenas, mais que vous avez été l'un des, des motifs de cette rivalité oui. entre Arenas et, et Sardouille. Dans ces lettres, Arenas accusait ou accuse Sardouille de monopoliser votre travail pour l'écarter justement de ses romans à lui. C'est-à-dire comme si euh, Severo Sardouille avait fait le nécessaire pour que vous ne traduisez pas. Vraiment l'œuvre de, de Arenas. Et comment avez-vous géré cette rivalité entre les deux qu Est-ce qu est -ce que cette rivalité a eu une quelconque influence sur le, les choix de, des œuvres que vous avez traduites de, de l'un et de l'autre Vous savez, il faut vous dire que les grands, c'était Sarduy et, et Donoso. Moi, j'étais, je regardais, je comptais les coups, si vous voulez, mais je n'avais pas vraiment mon mot à dire. Severo me disait « comme conmigo ». Et, et comme Donos n'était pas là, il était le grand perdant. Severo était l'homme présent, était l'homme qui, qui, au seuil, faisait ce qu'il avait à faire. Mm -hmm. alors, euh, alors voilà, Severo me disait, tu me traduis ça, s'il te plaît. Je ne pouvais pas dire non. Bien sûr. Voilà, c'est, si vous voulez, il y, y, y a un rapport de force comme ça qui, qui s'établit, je dirais naturellement, entre ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. C'était le début de votre collaboration avec les seuils, où vous aviez déjà travaillé avec la, la maison de de la euh, rue Jacob Je crois que c'était mes débuts de collaboration avec le Seuil, oui, puisque jusqu'alors, c'était chez Gallimard que je traduisais Juan, oui. Oui, oui, c'était les débuts, mmh. avec Severo. Alors, Severo qui me recevait dans son bureau, enfin, c'était, il était c'était le grand seigneur, quoi. Mmh. Voilà. Et, et en, en dehors de Sardouille, vous avez eu d'autres traductions au, au Seuil à l'époque, ou c'est seulement Sardouille qui... euh, J'en ai eu un euh, que Sardouille avait choisi, qui s'appelait La face del Ruby et que j'avais traduit par le vitrail écarlate, qui est d'une dame, je vous dis tout de suite que j'ai oublié le nom à l'instant, qui n'a rien, enfin ça n'a pas donné de, de petit, si je puis dire. Voilà. Et à part ça, euh, bah, une fois que Severo a été traduit, c'est Juan qui, qui a émigré, si je puis dire, au seuil, donc on a continué à traduire Juan. D'accord. Dans le cas de, de Sardoui, les, les deux livres que vous avez traduits de son vivant Colibri, et pour que personne ne sache que, que je peur, qui s'intitule Cocuyo en, oh, en oui. espagnol, tous les deux portent la mention en français, oui. traduit de l'espagnol par Aline Schulman et l'auteur. Oui. Il y a eu donc un travail de collaboration entre, entre vous, et il s'agit d'un travail de collaboration qui, quand on le regarde de près, on découvre qu'il va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, car ce, il y a, par exemple, on découvre par exemple que le roman a été, a été restructuré au cours de la traduction. Il y a des, des, des chapitres qui ne sont pas dans l'édition dans espagnole qui apparaissent, dans l'édition française, il y a des paragraphes qui disparaissent, la structure du livre passe de trois à quatre parties. Donc on a l'impression que vous et Sardouille, vous vous êtes lancés dans une réécriture du, du roman au cours de la traduction, en particulier des Colibri comme si la version espagnole était un brouillon de, de romans qu'il fallait affiner ou perfectionner en français. Et j'aimerais bien que, que vous reveniez sur cette manière de, de travailler avec, avec Sarduy et sur ce travail des, des traductions comme réécriture, en fait, que vous avez réalisé avec lui. Alors, je commence parce que, par la fin de ce que vous venez de, de dire, c'est-à-dire le brouillon. Vous savez que Borges dit que toutes les traductions ne sont que des brouillons. Et, le, et que l'original est lui-même un brouillon possible parmi Absolument. la suite. Bon, bref. Donc ça, c'est une chose. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'avec Sardoui, et puis aussi avec Juan, mais j'en parlerai plus tard, euh, comment vous dire, les textes étaient hyper-baroques. Hein, nous savons comment Sardoui traduisait. Il était influencé non seulement par son origine, mais par tel quel. Hein, il, était, il faisait partie de, de, la, de la troupe, si je puis dire, de tel quel. Hein, de solaire, etc. Et il avait besoin d'être dans, dans le baroque extrême. J'arrive, moi, avec ma traduction, nous sommes face à face, et puis je lui dis ça, je ne peux pas le dire. Il dit, bon, cambia on change. On change. Mais ce n'est pas moi qui change, c'est lui qui change, voyez-vous. Et alors, ce qui avait d'extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte qu'au fond, tout ce qu'il voulait, c'était que ce soit lu, lisible en français, hein parce que quand on traduit, on traduit pour être lu. Autre voix. Euh, autre voix ou voix basse ou, ou, ou en silence, mais on traduit pour être lu, alors qu'on écrit peut-être plus pour, pour dire quelque chose. Mais le traducteur, enfin, l'idée de passer d'une langue à une autre, c'est que on lise, pas on dise. Vous comprenez mm -hmm. Différence entre l'écriture et la, la traduction. Donc, je lui disais ça. Non, on ne peut pas le lire. Ça, ce n'est pas possible. Cambiamos. Et on change. Et on change. Et devant moi, j'avais cet auteur qui changeait son texte au fur et à mesure des impossibilités françaises du texte. C'était oui. extraordinaire. Non, quelle générosité. Bien voilà. Sûr. Et c'était des séances régulières Vous travaillez ensemble une fois par semaine, deux fois par semaine Comment ça s'est passé, les trains Je ne saurais pas vous dire quelle était la fréquence, mais en fait, nous étions face à face, et beaucoup plus proches que nous ne sommes nous, tous les deux, on était juste en face, et puis ils disaient « toi bon, je lisais mon texte français. Non, as si dit gros points. « Cambia, change. Et à ce moment-là, on restructurait tout. Pour que en français, ce soit lisible. Mais il est évident que moi seule, jamais je n'aurais osé faire ce que lui, auteur, faisait. Il métamorphosait son texte. C'est extraordinaire. Enfin, c'est une leçon. Pour mais un mais vous aviez des discussions donc constantes sur les sur les textes, Ça. sur la manière de, de, de les lire en français, et en espagnol. Oui. C'était une espèce d'atelier des traductions que vous aviez ensemble. Exactement. Exactement. Ça ne pouvait pas être autrement parce que c'était des textes. Mais c'était incroyablement enrichissant pour moi. Surtout le, le fait de, de te rendre compte qu'un qu auteur, c'est hyper généreux, parce qu'il va, mmh. va faire ce qu'il faut. Il n'est pas du tout accroché à son histoire. Il est capable de, de transformer ce qu'il a écrit pour que ce soit accessible à d'autres, c'est-à-dire à d'autres, à d'autres langues. C'est surtout quand on lit votre traduction des de Sardouilles, euh, pas seulement un travail de restructurer le roman, de, de changer des paragraphes ou, ou à transformer la, la, la structure générale de, de l'œuvre, mais c'est aussi un travail sur la syntaxe. J'étais très impressionné ah. par, par la manière dont vous avez et, et lui vous avez réussi à tourner des phrases qui étaient impossibles en français pour les rendre voilà, lisibles voilà. en français. La syntaxe, c'est vraiment le, le fondement de la traduction, hein, parce que c'est la construction, c'est comme, comme quand on fait une maison, il faut bien faire des fondations et puis il faut mettre des pierres, c'est ça la syntaxe. La, la langue, comment elle, elle se dit, ce n'est pas que des mots, Elles, ce sont des mots qui se mettent en place. Or, c'est le « en place » qui est l'essentiel dans la traduction. C'est certainement ça. La, les difficultés avec Reinaldo Arenas devaient être d'une nature très, très différente. J'imagine qu'il s'agissait surtout des questions de vocabulaire, j'imagine des termes cubains, par exemple dans la plantation, l'utilisation d'un de, de, certain nombre de, de noms qui, qui sont propres à la, à la langue cubaine. Est-ce que vous avez utilisé de, des dictionnaires de cubanisme comment, comment, comment vous faisiez avec ces, ces termes Alors, j'avais eu la chance de traduire euh, dans Juliane. Et le début de Don Julián se passe dans la plantation du, du grand-père, enfin de l'ancêtre de Juan. Et Juan m'avait donné un dictionnaire de cubanismos. Alors, grâce à ça, j'ai à peu près réussi à savoir, euh, à connaître tous les mots qu'utilisait. Euh, comment s'appelle Arenas, Reinaldo. Arenas, et nous, nous parlons de Reinaldo parce que je suis très proche de, de Margarita Camacho et de son mari qui ont été les, les, les parents, si et, je puis dire. Et les légataires, en fait. Léga, non seulement les légataires, mais de, du vivant de, de Reinaldo ont été ceux qui l'ont aidé à, à sortir, si vous voulez, son œuvre de Cuba, puis des États-Unis. Donc, euh, c'est pour ça que je dis Reinaldo. Hein. Et, et euh, Reinaldo... C'était différent, euh, c'était beaucoup plus poétique, alors que chez, chez Severo, ce n'est pas poétique du tout, c'est rocailleux, c'est enfin, baroque. Quoi. baroque. Mm -hmm. euh, chez chez Reinaldo, la plantation, le premier que j'ai traduit, El Central, enfin, ça s'appelait le Central, c'est-à-dire la plantation, c'était un cri poétique. Et je dois vous dire que j'ai des souvenirs épouvantables de la première traduction, parce qu'ensuite, je l'ai repris et ça a été republié au Mille et une Nuit en 2006. Mais ma fille était en train de mourir, je vous dis tout, ma fille était en train de mourir, et euh, c'était donc en, en octobre 83, elle est morte en, en novembre 83, 82, pardon. et je devais rendre à François Val, vous savez qui était François Val, c'était un, un des directeurs de, Seuil. du Seuil, et il me disait. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, là, il faut reprendre. Et moi qui fondais en larmes pour mille et une raisons, ils me regardaient « ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ah C'était épouvantable. Donc, cette première traduction de la plantation n'était pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre. corriger. De la reprendre pour les Mille et une nuits en 2006. Et voilà. vous avez traduit aussi les nouvelles de fin de défilé pour les prêts de la Renaissance, quoi. Oui, ça c'était bon. bien après. Hein. C'était bien après. Et ça c'était plus facile parce que c'était linéaire, c'était narratif, si je puis dire. Ça n'était pas exclusivement poétique. Et là, j'ai eu du bonheur. Je me souviens avoir traduit avec bonheur ce texte. Il était, comment dirais-je, accessible. C'est formidable, des textes accessibles. Absolument. Pourquoi ce changement du Seuil à de la Renaissance, vous saviez À Fayard. À Fayard, À oui. Fayard. Euh, pourquoi C'est Juan. Mm -hmm. Ça a dû être un truc, une histoire avec euh, Severo, la mort de Severo. Euh, moi, je suis, vous savez, les gens. Donc mm -hmm. Juan est passé de Gallimard au Seuil, de Seuil à Fayard, et, et j'étais avec Reynas lui. Aussi, il a, il a et Reynaldo pareil. Reynaldo, pareil. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Reynaldo Arenas à Paris Une fois, il était euh, chez Pivot. Et il était déjà très, très, très malade. Mais il a quand même réussi à, à se maintenir pour la, la soirée chez Pivot. Et j'étais parmi le public. Donc je lui ai dit. Oh, la Et il m'a dit Me gusta mucho tu ritmo, me vas traduire. J'aime beaucoup ton rythme, tu vas traduire mon prochain livre. Alors j'ai dit Oui, oui, mais bon. Vous saviez déjà qu'il était malade euh, Je crois que oui. Je ne suis pas absolument sûr. Je ne savais pas qu'il était à ce point malade, mmh. et il est mort quelques mois plus tard. Absolument. Vous avez traduit les, les deux derniers romans de Sardouille, pour que personne ne sache que, que j'ai peur. Cocouille et, et les romans posthumes de Sardouy aussi, les, les Oiseaux de la plage, qui est paru en, en 94, 1994. La critique va parler de ces deux de livres comme des exemplaires ou des exemples du, du baroque funéraire des, des Sardouy. Et qui sont loin de, du climat un peu plus festif des, des premiers romans de Sardouille, en particulier des, des Colibris. Euh, Sardouille est mort en, en juin 1993 et, et votre traduction paraît une année plus tard, en 1994. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec lui sur cette traduction Est-ce que vous avez pu travailler ensemble comme vous aviez l'habitude de le faire et, et finalement, quels sont les, les souvenirs que vous gardez de votre collaboration avec lui alors plusieurs questions. Euh, j'ai pu travailler avec lui pour l'avant dernier, c'est-à-dire que pour que personne ne sache que j'ai peur, et là c'était un texte qui était beaucoup plus apaisé déjà. Euh, il, avait, il avait, mûri tout simplement. Il n'était plus dans cette folie baroque où il était. Et là, je veux dire, son texte et le mien furent à peu près pareils pour employer le passé simple. Hein voilà. Alors vous avez grandi ensemble, vous. Peut-être, peut-être que c'est ça, oui. <laughs> c'est sans doute ça. Et ensuite, pour le dernier, je pense que François Val a eu une grande importance parce que euh, le dernier, en fait, n'était pas constitué quand Severo est mort. J'ai juste un tout petit souvenir terrible et merveilleux. C'est un roman, en réalité, inachevé. Voilà. Mais juste au, avant qu'il demeure, si je peux dire juste un petit mot, euh, on s'est retrouvés justement pour parler de traduction. Je l'avais vu. Oh oui, bien sûr. Et, et moi, je ne savais pas qu'il était malade. Et, et il ne le disait pas. Il, ça ne se voyait pas encore. Et alors, on était à table, comme ça, de, dans un bistrot quelconque. Alors, che, chez Gallimard Non, non, la... non, dans un bistrot, comme ça, on parlait. Mm -hmm. Et alors, il buvait. Et je lui dis oh, te, tengo il dame ». Il me dit Ici, si tengo sí, aussi, que ». Je lui dis Qu'importe, tac, je bois. Puis, le, je ne pouvais pas imaginer qu'il l'avait. Puis, de toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Mais je veux dire, euh, il m'a laissé boire. Et, 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 et je, je l'ai aimé, quoi. Parce que je me suis dit, il l'avait. Mais enfin voilà, c'est un tout petit souvenir extraordinaire que j'ai de, de, de ces vélos. Vous avez été surpris par, par sa mort Oh oui. Et très attristé, parce que on c'était quelqu'un qui emportait le morceau. Je veux dire, euh, il, vous, il vous emboblinait tout de suite, il était adorable, il vous embrassait. Euh, je, je me rappelle que le soir où j'ai obtenu le prix, euh, je ne sais plus quel prix euh, littéraire, le seul d'ailleurs que j'ai jamais eu, bon. et, et donc Severo faisait partie du jury, mais au lieu que nous dînions tous avec les, les membres du jury, il m'a dit bente, bente. Et on est parti dîner tout seul. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était une injure vis-à-vis -vis de, de l'ensemble du jury, mais non, vente, bente. on va tout seul, on va tout seul. Oui, il avait... Moi, j'étais toute contente d'être avec lui. Chère Aline Schulman, passons maintenant à votre travail de médiation de l'œuvre de Juan Gauthier-Solo pour le lecteur francophone. Gustavo vient de nous rappeler que c'est Juan Gauthier-Solo qui vous a demandé de traduire Révendication del condéno Julián ». Cette traduction date de 1971 et c'est la première d'une collaboration qui s'étend sur 45 ans. Car, sauve-erreur de ma part, euh, Gustavo Guerrero a parlé de douze titres. titres. J'avais pour ma part relevé 11 titres traduits. Votre tradition de beauté n'a pas eh, de loi et de 2016, 2016, exactement. Et vous avez travaillé dans trois maisons d'édition différentes, Gallimard, Seuil et surtout Fayard. Alors, tout d'abord, et avant de rentrer dans ce travail de traductrice, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus... Longuement de votre première rencontre avec Juan Gotti Solo, de la découverte de son œuvre, de ses premiers romans. Comment s'est construite votre relation et aussi, surtout, votre travail collaboratif Vous venez nous parler de votre travail en collaboration avec Severo Sardouille. Comment s'est construit ce travail collaboratif avec Juan Gotti Solo, dont vous avez fait état dans les prologues à Don Quichotte, et nous l'expliquer de manière un peu concrète Et puis, comment a évolué ce travail collaboratif non Sur... Donc, comme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le point de départ c'est cette rencontre incroyable de nos deux mémoires c'est-à dire lui étant à Tanger et écrivant à partir de Tanger, moi ayant vécu à Tanger et quand j'ouvre la première page de SDMtda et, pardon, dans Julian. Imaginez-vous, pour une traductrice nouvelle, parce que c'était avant le Donoso, ça, hein, c'était juste après quelques petits poèmes de, de, de Cernuda. Alors, vous voyez comme on est un petit peu pas sûr de soi, vous pouvez imaginer. Et euh, j'ouvre cette page, Tierra ingrata, espuria y mezquina, jamais volveré à ti. Et puis je continue, et je me dis non, euh, euh, je rêve. Je continue encore. Je rêve encore plus. C'était exactement ce que moi, la vision que moi j'avais pendant les trois années où nous avions vécu à Tanger au retour d'Argentine. Je voyais l'Espagne, c'est-à-dire je voyais un truc en face, je ne savais pas ce que c'était, mm -hmm. mais c'était un truc qui allait, qui venait, alors que c'est bon, rabat qui, qui s'effaçait et puis qui revenait selon le temps, selon les nuages. Et, et puis après, quand ils parlent du grand Soco, du de Soco Chico, Soco Grado, enfin tout ça, mais moi, je, tous les vendredis à l'école, on nous emmenait. Enfin, de l'école, nous allions nous promener en, banc, en, en rang serré hein, dans les socos, etc. Alors, les cinémas dont il parlait, moi j'y étais, vous comprenez Mais c'est pas possible. Et alors du coup, comment vous dire, il y a eu une rencontre. Moi, j'avais oublié le Maroc quand j'ai retrouvé Juan, euh, à l'époque où il me l'a demandé. Et tout d'un coup, c'est comme si c'était un passé apocryphe qui revenait comme ça à travers les souvenirs d'un autre, c'est moi-même qui me reconstituais. Alors, 76 pages, les premières 76 pages, sans un, sans un point, hein, que des deux points, et pas un verbe à la forme pronominale, que des gérondifs. Bon, alors essayez d'imaginer une traductrice totalement nouvelle, et alors je vous explique un petit peu. Donc, je me suis dit, « durmiendo »,« cantando »,« corriendo », c'est magnifiquement bien, comment dirais-je, c'est sonore, c'est accentué sur l'avant-dernière syllabe. Je ne pouvais pas, moi, en français, dire « mangeant »,« dormant »,« pissant », etc. C'était impossible, impossible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis dit, il faut changer quelque chose. Les deux points, on les laisse, mais je vais mettre des infinitifs. Alors, je ne sais pas si il euh, y a peut-être aujourd'hui des gens qui se souviennent de qui était M. Mollo El señor Mauricio Mollo, que nous avons eu, nous, comme professeur, et qui nous expliquait, mais je vais vous le danser, qui nous expliquait le gérondif. Alors, Mollo dansant le gérondif. Alors, Mollo boitait, et alors, il nous faisait comprendre, le gérondif, c'est un temps qui se mord la queue. Et alors, oups Et il continuait à tourner comme ça. Bon, et nous avons... Aucun des étudiants de M. Mollon n'a jamais oublié ce qu'était le gérondif et comment le gérondif se mordait la queue. Bon. Et je me suis dit, on va mettre, plutôt qu'un gérondif qui évidemment est porteur de temps, un infinitif. L'infinitif ne porte pas de temps, est achronique. Mais, dans la mesure où il n'y en a pas, le lecteur peut en mettre autant qu'il veut. Et je me suis dit, comme ça, ça marche. Et j'ai mis que des infinitifs pendant 76 pages au lieu de mettre que des, des gérondifs. Et alors, j'ai eu. Le, le, le bonheur de m'apercevoir que dans le livre suivant, Juan Cintierra, Juan, au lieu de mettre des gérondifs, eh ben, il mettait des infinitifs. En espagnol. Hein. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile, mais il s'était peut-être rendu compte que c'était plus léger aussi. Voilà. Ça, c'est ma première, euh, comment -je, ma première euh, tentative, si vous voulez, d'appropriation du texte de Juan. Alors, pour tout ce qui était euh, labyrinthique, etc., je l'ai suivi. Comment vous dire Pour traduire, il faut être en confiance. Hein si on comprend pas, parce que j'ai rien compris, je vous dis tout de suite, je n'ai rien compris à à ce que lui voulait dire dans l'ensemble du texte. Et aujourd'hui encore, euh, bon, c'est juste. Mais, mais pendant que je traduisais, vous savez, je ne lis jamais à l'avance, hein, parce que si je lis, c'est fichu. Il faut découvrir pendant qu'on traduit. Je n'ai jamais su vraiment où il voulait en venir. Mais j'avais confiance et je le suivais, si vous voulez, dans son parcours labyrinthique parce que je le suivais dans les souks. Si vous voulez, ce parcours labyrinthique, pour moi, il était naturel. Et cette confiance que j'avais en lui, en, en son écriture, c'était que je savais qu'on partageait un même paysage euh, imaginatif. Et donc, j'y allais. Voilà. On va revenir encore sur vraiment sur le travail de traduction de, de Nan et je, je me permets de revenir un peu en arrière oui. sur ma première question qui était une question peut-être aussi presque personnelle mais c'est vrai que dans votre réponse la personne de Juan c'est l'œuvre de Juan c'est-à-dire que vous avez commencé directement est-ce que vous avez lu euh, l'œuvre de Juan Gotty avant même d'en faire la connaissance ou vous l'aviez connu rencontré et puis vous l'avez lu c'est-à-dire est-ce que vous le connaissiez et puis vous l'avez rencontré est-ce que vous avez mis un livre sur un visage ou un visage sur un livre quel était le, le sens de la relation Vous avez évoqué tout à l'heure votre travail sur Cernuda en compagnie de Robert Marast. Et comment se fait ce premier contact avec justement Est-ce que c'est -ce est avec l'œuvre ou est-ce que c'est avec Juan, le solo Est-ce que vous en avez encore le souvenir Bien sûr, là, là, vous savez, on n'oublie pas ces choses-là. Moi, j'avais lu Juego de Mano, comme tout le monde. Euh, c'était un livre qui était paru, je crois, en 58 ou. 54. 54. Ou 54 en espagnol, 57 et, en traduction. Enfin, mais de... je crois que je l'avais lu en espagnol, mais enfin, c'était un livre qui avait fait du bruit. Mm -hmm. Et donc, je, je connaissais solo comme ça, mais pas plus. Mm -hmm. et, et ce n'est que, je vous dis, c'est cette page, c'est quand je me suis aperçue qu'en fond, le Maroc, pour lui, c'était sa nouvelle terre d'adoption, enfin, c'était sa terre d'adoption. Euh, comment vous dire juan a eu le, un parcours différent moi je suis né au maroc et je suis parti en france lui est né en espagne et il est venu au maroc mais il y avait tout de même un, même si le, le comment dirais le parcours était inverse il y avait un lieu de retrouvailles essentiel et je crois que c'est ça qui était important non je ne le connaissais pas à part euh, juego de mano et dans ce, dans ce premier travail, euh, justement pour faire un peu un retour sur euh, le, le passage de Juan solo chez Gallimard et, et nous attarder maintenant sur euh, Don Julien, Don Juliane, au début des années 70, donc vous prenez le relais de Maurice Edouard Cointreau qui a traduit l'œuvre de jeunesse de, de Juan solo mais qui a aussi traduit le premier volume de ce qui sera par la suite vu comme une trilogie, non les fameuses pièces d'identité. Maurice Edguarcantro, qui est non seulement le traducteur dans un premier temps de Juan Gautisolo, mais aussi de la génération des enfants de la guerre ou la génération du demi-siècle, qui est aussi le promoteur de cette collection du monde entier en langue espagnole, comme le démontre sa correspondance chez Gallimard. Comment a-t-il vécu le fait que vous deveniez la traductrice de ce second volume Est-ce que c'est Juan Gautisolo qui vous l'a demandé Est-ce que c'est vous, justement, dans ce rapport d'appropriation, de reconnaissance de son œuvre qu'il qu lui avait demandé si vous pouviez le traduire. Est-ce qu'il y a eu un conflit ou, ou est-ce que vous avez le souvenir justement Si si, non, je me souviens très bien. <laughs> euh, je me souviens très bien qu'il n'y a, qu a pas eu tout ça, voyez-vous. C'est-à-dire que euh, Juan, quand il a vu comment je traduisais, en particulier, d'aller comme on assiste et placer les, enfin, les poèmes de Sernuda. Bon, j'ose pas vous dire la vérité, mais je, je parle de cet ami compositeur euh, que j'appelle Chano. Et la plupart des poèmes, c'est lui qui me les avait traduits seulement. Ça, personne ne le sait, il a que vous. Et moi, et moi. Tchano est mort, donc euh, voilà. Donc, euh, comment vous dire euh, je, je, je prenais euh, tout ce que je pouvais partout. Il hein, faut, faut dire, quand on est neuf comme ça, et on s'alimente de ce que l'on peut. Maintenant, euh, Coindreau, je ne l'ai jamais vu. Euh, J'étais tout étonnée que Juan. Mais alors, après, j'ai compris, j'ai compris. Coindreau n'était pas seulement traducteur d'espagnol, il était surtout traducteur d'américain. C'est lui qui a fait venir Faulkner, et si Faulkner a eu du succès aux États-Unis, États c'est parce qu'en France, il a eu un succès extraordinaire. Voyez et donc, il y avait Faulkner, il y avait enfin fait, tous les grands, quoi. Et l'anglais est une langue beaucoup plus raide. Que le français, que l'espagnol. Or, Juan, ce qu'il aimait dans l'espagnol, c'était les assonances, c'était, si vous voulez, ce rythme. Il m'a toujours dit Toi, dis ce que tu veux du moment qu'il y a du rythme. Et il m'a dit Coindreau, dont il n'a pas le rythme qui, qui, moi, me conviendrait. Or, je sens que toi, tu l'as. Et c'est là-dessus qu'on s'est reconnus, bien avant de se reconnaître euh, dans le territoire, si vous voulez. Voilà comment ça s'est passé. D'accord je crois que peut-être je m'arrête un moment sur cette question du rythme parce qu'en ah en, oui. en écoutant les réponses que vous, vous évoquiez avec euh, Gustavo Guerrero sur Cédric Tambouille, euh, vous avez parlé de musique, de réalité, puis après vous avez parlé de, de visualisation, vous êtes vu à Tanger, et puis vous avez fait l'opposition entre euh, traduction du narratif et du poétique, qui évidemment rejoint la dimension baroque. Et donc, on a l'impression que finalement, je me demande dans quelle mesure cette appréhension presque synesthésique de la, tradition, de la traduction, non oui. pas par le graphique, mais par oui. l'oreille. Oui. 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 Je pense que c'est une dimension Absolument. très importante pour Juan Gautisolo qui se lisait, donc, je veux voilà. dire, cette lecture à voix haute. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que c'est vrai que ça m'a vraiment frappé en vous écoutant maintenant la vue, l'oreille, et puis en même temps, vous avez parlé d'être lu. <rire> donc, <rire> comment ah. conjuguer ces trois dimensions du lisible, du visible, de l'audible c'est la musique. La musique peut être visuelle aussi. Comment vous dire euh, y a bon, Cette visualisation, c'est une chance que j'ai eue dans ma vie de, de, visu de visualiser les, les premiers. Mais après, quand, quand j'ai traduit Reinaldo, il n'y avait pas de visualisation, mais il y avait une musique. Donc, comment vous dire On a plusieurs cordes à notre arc en tant que traducteur. Comme vous dites, l'oreille. Je dirais l'odorat on laisse de côté, mais on a l'oreille, on a la vue et euh, on a la parole, voyez. Et, et selon les moments, quand on peut joindre les trois, ben c'est le bonheur absolu et la traduction euh, s'en ressent dans le bon sens du terme. Quand on peut pas, eh ben on fait le choix de l'un ou de l'autre. Alors chez Juan. Euh, la musique, c'était pas, je vous dirais, c'est pas de la grande musique, comment vous dire, voyez-vous, tandis que chez Reynaldo, oui, c'était de la grande musique, hein? et, et dans les autres aussi, mais Juan avait envie que, que, que ça tombe bien, voyez, une espèce de trois quatre de, euh, euh, comme ça, euh, pam, 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 et, et les assonances, les, il, les met, il met beaucoup les assonances, alors il fallait faire des assonances en français, voyez, pas des rimes, mais des assonances. Et, et c'est pas facile en français. Et, et c'était. Il, il, il aimait ça, je sais pas comment vous dire. Il avait le sentiment. Et puis il a écrit des poèmes aussi. Mais on ne peut pas dire que sa prose était poétique. Hein. Mais il avait, lui, l'impression qu'il fallait rendre euh, quelque chose d'au-dessous de, de, ou au, au-dessus des, des mots et, et, et de la, cette libido permanente. Voilà. Est-ce que je réponds oui, 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 mais je pense que ça va nous permettre d'enchaîner et de rester encore un petit moment sur euh, dans Juliane, Julian, parce que quand euh, on publie la traduction en français, elle est accompagnée d'une un, préface d'un prologue de Josep Maria Castellet, dans lequel euh, le critique catalan met en évidence le fait que ce n'est pas seulement un roman palimpseste, c'est un roman fragmenté, c'est un roman pour moi d'une certaine manière poétique en ce sens, ces larges isotopies, même si vous dites oui. que vous le découvrez en, en cheminant non, dans oui. les labyrinthes. Mmh et les souks, mais il parle aussi de, cette, de ce roman comme critique de l'historiographie espagnole, de ce roman comme introduction à l'histoire de l'Espagne, de ce roman sur l'hispanité, et ce, non pas seulement pour les hispanistes, mais aussi pour les espagnols, non qui ne connaissaient pas d'une certaine manière cette image de l'Espagne que Juan Gautisolo véhicule aussi à travers de sa découverte d'Américo Castro. Comment faites-vous qu'on voit dans les, la paracritique non de, de l'édition espagnole faite par Linda Goodlevin. Comment faites-vous, jeune traductrice, comme vous dites, pour relever ce défi intertextuel, défi qui, qui met en place cette destruction créatrice à un moment où finalement nous ne savions pas, et vous ne saviez pas, ce que nous savons aujourd'hui euh, dans la réception critique, dans les révélations qu'a faites euh, Juan Gauthier sur son propre travail de création, comment faire face à ce que 50 ans plus tard, que ce soit du, de la, de la part la critique, donc euh, voilà, moi je suis, je, je reconnais que je suis sans voix d'imaginer le, le peu de recul que vous aviez pour traduire un livre d'une telle complexité et qui plus est, quand vous nous dites, c'est mon deuxième texte après ces quelques traductions de poèmes. Mmh. Comment mais, rêver ce, ce défi C'était ou infaisable ou possible. <laughs> je m'explique parce que ça a pas l'air très malin. <laughs> vous savez, bonne foi dit. Et je, je l'ai retenu parce que c'est vraiment magnifique. La traduction, ce n'est pas penser, penser et eux, mais action. C'est tout. J'ai traduit Don Julian sans comprendre, comme je vous l'ai dit, le sens total où il voulait en venir. Je voyais bien quand il se moquait, je voyais bien quand il ne se moquait pas. Je, je veux dire, l'ironie, le, le sarcasme, surtout plus que l'ironie, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, mais tenir, c'est à la parole. Je, 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 je tenais le fil, si vous voulez. Mon fil d'Ariane, c'était la phrase. Et ce fil d'Ariane, en plus, il y en avait un double, si vous voulez. Il y avait le fil d'Ariane des souks, il y avait le fil d'Ariane de tout ce, ce background, comme on dit en anglais, dont il parlait et que moi, je connaissais tout à fait. Donc je n'étais pas perdue, si vous voulez. J'étais perdue dans le sens global du texte, mais je m'en fichais pas mal. Ça ne m'intéressait pas, si vous voulez. Mais je n'étais pas perdue dans le, le déroulement du paragraphe, dans, dans le déroulement de, de, de tout ce qui était en train de se, se faire dans, dans le texte, si vous voulez. C'est ça, Sifa, qu'il faut comprendre. On est dans le mot. On est, il faut reconnaître, euh, comment dirais-je, un, un, un déroulement. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est la syntaxe. Hein. Et quand cette syntaxe vous vous rappelle des lieux, vous rappelle vous rappelle encore une fois le, le labyrinthique, le, le, le sournois, le le, le, le je ne sais pas comment vous dire ben voilà je crois que j'ai dit ça suffit. D'accord. Alors peut-être une, une dernière question un peu précise sur sur ce même roman. Vous avez choisi donc vous ou, vous ou, et, et ou l'éditeur le titre Don pour la traduction de ce roman dont le titre de l'original était « Revendication del Conde Don Julián ». Est-ce que vous vous souvenez, si c'est vous qui avez proposé ce changement de titre, qui est un changement conséquent, changement que eh, Juan Bautizolo finira par adopter, mais 15 ans plus tard, et il dira à ce moment-là « Je n'ai plus besoin de la revendication ». Alors, est-ce que vous vous souvenez de pourquoi cette concision, et pourquoi faire disparaître ce qui, à l'époque, était une revendication C'était une… Est-ce que vous en avez un souvenir Est-ce que Dionis Mascolo a pu participer à cette proposition du changement de titre, incisif en français les, les, les lecteurs français ne vont pas comprendre pourquoi la revendication. Euh, en tout cas, je suis interpellée du, oui. du caractère, comme je dis, soit prémonitoire, soit prophétique, du choix de la traduction en français, qui rejoint par la suite l'original espagnol à l'heure actuelle. Alors, je vous le dis tout simplement et honnêtement, je n'y suis, suis pour rien. J'étais une, une traductrice nouvelle et, et, et il n'était pas question qu'on me demande quelque chose, qu'on qu me demande même mon avis sur le titre qu'il fallait mettre. Ah non, euh, comment vous dire Je suppose que ça s'est passé entre Juan et son éditeur euh, Gallimard, voyez Moi, je n'ai rien eu à dire. Je, je vous le dis aussi honnêtement et simplement que les choses se sont passées. Révindication del Conde de Juliane. S'est transformé en don Julian, sans que j'en sache, qu'on connaisse la raison. Et moi, j'avoue que ça ne me changeait pas trop. Je veux dire, euh, l'un dans l'autre et réciproquement, on n'avait pas besoin d'un titre aussi long. Voilà. Moi, ça m'a semblé tout à fait acceptable, et je n'ai même pas été rouspétée, comme on dit, vous voyez, non? Et 45 ans après, ça vous semble encore acceptable comme traductrice et dans ce travail de collaboration ah, oui. C'est-à-dire que. Qu'on ne demande pas mon avis Oui. Parce que c'est quand même. Vous avez ce contact tellement proche, intime avec le texte. Ce donner un titre, ça a un sens pour un auteur. Dans cette négociation, oui, alors, pour vous, ça reste l'auteur Alors, je vous donne un autre exemple. Bon, dans ce cas précis, Juan était là. Donc, c'était Juan qui décidait. Quand même, c'était son enfant, ce n'était pas le mien. Hein. Bon, c'était une sorte de marâtre comme ça. Mais euh, là où moi, j'ai donné le titre, c'est dans le livre précédent. Et là, Albert n'y est pour rien, Albert Bensoussan, c'était « El lugar sin limites ». Et je me suis dit que traduire « le lieu sans limite » n'était pas, pas possible. Et c'est moi qui ai dit « on traduira ce lieu sans limite ». Là, c'est moi qui suis responsable du texte. Mais parce que Donos, on n'était pas là. Hein D'accord. Mais là, quand Juan est là, euh, je dis, moi, je dis amen. <laughs> Alors, peut-être plus encore que, que dans Junial, qui révèle déjà ce travail de destruction, d'éclatement, la langue vernaculaire qui se décline dans ses variétés linguistiques mexicaines, argentine et cubaine. On va y revenir, notamment sous l'impulsion du boom de la littérature hispano-américaine. Juan et Jean Santer, Juan Santer, puis Macbada posent des problèmes linguistiques insolubles ou difficilement traduisibles vers le français. En effet, ces textes sont non seulement hétérolingues, mais aussi plurilingues, français, anglais, italien, arabe, classique et dialectal, avec une dominante très marquée du français, même si c'est l'expliquite en espagnol, en arabe translittéré, puis calligraphié de Juan Sintierra qui a le plus souvent retenu l'attention. Cependant, en consultant votre traduction de ces, de ces livres, j'ai pu constater que jamais, jamais, qu'il s'agisse d'un bref syntagme, de plusieurs paragraphes, voire même d'un chapitre tout entier, vous n'avez opté pour un démarquage typographique ou linguistique du texte d'origine en français. Ce qui conduit, et je me permets de citer dans ce cas-ci, comme l'observait Myriane Suchet, à une résorption apparemment naturelle de l'hétérolinguisme, ou pour le dire à la suite de Derrida parlant de In Heinz, de Paul Celan, à effacer cela même que la traduction garde. L'effet d'étrangeté du français, sans italique. Alors j'aimerais, si c'était possible, que vous reveniez alors, sur ce choix qui est d'une certaine manière a un impact, non, sur la perception du bon, lecteur francophone. Alors, je vais vous dire deux choses. Une première, une plaisanterie, mais en fait une plaisanterie qui est vraie. C'est que quand je voyais des trucs en français, je me disais chic. J'ai pas besoin de les traduire. Alors tant mieux. S'il plus les passages en français étaient nombreux, plus j'étais ravi. Bon. Alors ça, c'est une première chose qui. À moitié une plaisanterie seulement. Hein. Maintenant, quand il s'est agi, je, je disais à Gustavo Guerrero tout à l'heure et, à, et, et à, à toi aussi que je suis tombé hier soir sur une lettre de Juan me disant :« Il n'est pas question », parce que au départ, moi, j'avais mis des italiques, et il me dit :« Il n'est pas question de mettre les langues étrangères du texte, en italique. » Toutes les langues doivent avoir le même niveau. Aucune n'a doit être supérieure ou inférieure à l'autre. Alors voilà, tout est dit là. Parce que moi, j'avais mis des italiques. Alors évidemment, je n'allais pas mettre en français dans le texte que je voulais. Non, ça c'est pas possible. Hein, pas possible. Et alors, attendez. Aujourd'hui, peut-être que Juan Moretti met en chinois. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chinois en Europe. Avait... en espagnol est-ce que vous avez pensé par exemple non. inverser parce que oui, je... mais alors on aurait dit mais alors elle traduit pas ouais. vous comprenez non non et puis c'était assez complexe comme ça je sais que Juan jamais ne m'a dit euh, mais autre chose euh, je vous dis la seule chose qu'on aurait pu mettre à la rigueur c'était du du chinois ou du japonais aujourd'hui mais à l'époque il y avait pas alors, il y en avait bien assez. Vous ne croyez pas que c'était assez compliqué comme ça Non, non, c'est vrai que quand on pense à. Parce que les, les textes qui sont les plus représentatifs à ce point de vue, c'est Magbara ou euh, Juan Sintierra ou même euh, Don Julián. Et c'est vrai que la vision de ce Maroc plurilingue, polyglotte, dont, oui. dont faisait état euh, Gustavo Guerrero, oui. si vous mettiez du chinois, ça me paraîtrait un roman de science-fiction. Oui, le fait que disparaisse le français, d'une certaine manière, est, est Ouf, absorbé mais, dans la traduction oui, française. Oui, oui. Et perd cette dimension plurilingue du Maroc absolument. de l'époque. Donc, c'est pour ça, quand je dis l'espagnol, je absolument. le voyais comme, comme un reflet de cette réalité oui. dont vous faites état et dont vous êtes même issu et, oui. et, et dont Juan parle quand son, son jeune guide l'accompagne dans le souk et quand lui-même apprend l'arabe, il essaie qu'on ne lui parle pas en espagnol et qu'on ne lui parle pas en français. Donc, on voit cette rivalité oui, des oui, langues. absolument. voyez-vous, ça, que... euh, ça ne s'est jamais posé. Je ne sais mm -hmm. pas comment vous dire. Il n'était pas question jamais il n'en a été question parce que euh, évidemment on aurait pu le mettre en espagnol mais à ce moment là la traduction venant d'un texte espagnol pouvait euh, je, enfin je, je ne sais pas je, je n'ai pas de réponse l'unique réponse que j'ai c'est ce que j'ai retrouvé dans la lettre où il n'est pas question de mettre d'italique dans aucune puisque les langues sont égales il n'y a pas de niveau et puis euh, et puis voilà vous voyez, comme les choses sont parfois plus simples qu'on ne pense, et on ne pensait pas l'hétérolinguisme. À l'époque, ça n'existait <laughs> pas d'abord, hein, ce terme. C'est tout ce que je peux dire. Vous voyez, comme je suis un peu nul quoi. Non, non, mais vous voyez, ouais, je, je manque de. Voilà. Merci. Alors, peut-être après les romans espagnols et du Maghreb, passons à Paysage après la bataille, le roman français par excellence, parisien même de, de Juan Gautisolo et ce qui n'a pas manqué d'irriter certains lecteurs ou critiques français. Alors, comme vous avez déclaré être particulièrement attentif aux lecteurs, je me demandais si vous vous souveniez de nouveau comment vous avez dû procéder pour traduire ce roman ironique, polyphonique, qui a été écrit dans un contexte particulièrement remarqué par la montée de l'extrême droite, par le parti de Jean-Marie Le Pen, et écrit aussi au départ d'un certain nombre de documents sources en français, des, des fragments de Libération, du Monde. Comment avez-vous fait pour rendre, d'une certaine manière, cette texture, bon. cette fois-ci, contextuelle contextuel. Alors, euh, je, je reviendrai une minute sur, euh, sur Don Quichotte pour vous parler, justement, d'une liberté que j'ai connue et qui, qui m'a permis ensuite de traduire le Quichotte et le reste. Mais dans, dans ce texte-là, c'est là où il y a le, euh, les, les petites annonces de Libé. Mmh. Bon, alors, c'était des annonces espagnoles et... Attendez, mais alors je crois qu'il faut que je recommence par Don Julian. Dans Don Julian, il y a un passage où euh, Don Álvaro Mendiola est en train de crever, là, je sais pas. et puis il lui faut un épitaphe. Et Juan utilise euh, le, le texte de, du livre de la Légion espagnole. En tu pecho, no sé qué, euh, euh, legionario de brava legión, et alors, ça ne pouvait absolument pas marcher en français, parce que les Français ignorent le texte de ce truc-là, et donc ils se seraient dit, enfin, ils n'auraient pas senti l'humour et, et le sarcasme surtout. Alors, je me suis cassé la tête, et puis j'ai pensé à quelque chose. Et ce que j'ai fait finalement, c'est prendre, avec, bien évidemment, l'acceptation de Juan, parce que je lui demandais, hein, je pris un morceau de Mon légionnaire d'Edith Piaf, et... Euh, une phrase de la marseillaise. Et j'ai mélangé, et ça a donné, justement, dans le contexte dérisoire, si vous voulez, ça a donné l'équivalent, l'homologie. Hein. L'homologie, ce n'est pas la traduction exacte, mais je dois dire que c'est cet endroit-là, c'est ce lieu-là et ce moment-là de ma vie qui m'a, après, m'a permis, m'a dit que je pouvais, oui, qui m'a permis, c'est l'équivalent qui m'a permis de traduire par exemple « no con quien naces si no con quien pases » qui se frotte à il ne peut chanter la giroflée. Vous comprenez C'est-à-dire trouver vraiment une homologie qui frappe l'oreille de celui qui écoute et pas euh, qui colle à l'original euh, du départ. Voilà. C'est Juan qui m'a dit « tu y vas » c'était une question que je voulais réserver pour la fin, mais je ah pense zut. Que non, non. pardon. Mais je pense qu'elle ça... Qu est directement liée à ce que vous venez d'évoquer. Et donc, je me suis demandé, ou je me demande, en vous écoutant, si cette, euh, cette volonté, cette dimension homologique n'est pas aussi liée à un regard que la langue française a sur les langues étrangères. Une euh, parce que je l'ai perçue en lisant des traductions du Russe. Je pense à Kristeva traduisant euh, Bakhtin. Je pense à la traduction de la littérature francophone. Est-ce que la langue française, est-ce qu'il se passerait la même chose dans d'autres langues, ou est-ce que c'est peut-être une attitude du français centralisatrice Est-ce que vous vous êtes sentie parfois, d'une certaine manière, dans ce rapport comme traductrice, au rapport de la langue française aux langues étrangères, dans un rapport qui fait Domination, pression dire. Oui, qui, qui vous impose d'une certaine manière cette volonté. Pourquoi ne pas laisser ce caractère d'étrangeté Par exemple, vous venez de dire, euh, il faudrait mettre Piaf parce que le lecteur francophone ne va pas comprendre. Est-ce que le lecteur espagnol comprend d'emblée Est-ce qu'il n'est pas lui-même conduit à faire un cheminement euh... Je pense qu'il comprend parfaitement qu'il s'agit d'un hymne que, euh, que Juan aborde. Et que, et que ce qu'il essaye de faire, c'est justement un, un épitaphe ridicule, si vous voulez. Alors, je me suis dit que si je traduisais par les mêmes mots, le, les lecteurs français ne comprendraient pas. Alors, qu'est-ce qui compte C'est de, de comprendre. Alors, quant à l'hégémonie, si je puis dire, la langue française, n'oubliez pas que je suis une, une trilingue de naissance, hein, et que, je dois l'avouer, je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines. Hein, je, je suis obligée de le dire. Et il y a mucha honra quand on dit. Hein. <laughs> mais, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour moi, l'hégémonie de la France, euh, oui et non. Enfin, vous voyez, je veux dire, euh, vous ne tombez peut-être pas tout à fait sur non la non, personne qu'il faut. Mais ce n'est pas en, je en termes. j'entends bien. Euh... mais euh, Non, ce qui compte surtout, c'est la réception. Pour moi, la réception est essentielle. Hein il faut savoir, comme je l'ai écrit quelque part, mesurer le respect que l'on doit à l'auteur et au lecteur. Le lecteur, c'est quand même lui qui va recevoir. Or, il faut qu'il reçoive les mêmes chocs, les mêmes amusements, les mêmes chocs, les mêmes tristesses, les mêmes joies, la même musique. Si possible, évidemment. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Merci. Et pour revenir peut-être, comme on a, je vous ai interrompu et j'étais encore sur Paysage, par rapport à cette, cette idée, là c'est un contexte français, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de langues françaises dans le Paysage après la bataille. Est-ce que de traduire un livre qui a cette fois comme contexte, comme arrière-fond, un univers français parisien et un univers que Juan Solo remet en question, est-ce que pour vous cela représente un autre défi, si on pense à l'intertextualité, comme je l'ai dit, très hispanique de, de Don Julián pour moi, Paysage est un roman très français, très parisien. Est-ce que ça a représenté un autre défi pour la traductrice Je ne crois pas. Euh, D'autant que, si vous voulez, euh, je visualisais aussi parfaitement tout ça puisque j'allais chez lui. Vous comprenez Et il habitait le quartier qu'il qu décrit dans Paysage. Pour moi, c'était aussi familier que les souks. Alors, euh, j'avais, euh, savez, c'est la chance d'avoir eu ce rapport. Hein, cette visualisation possible, donc que ce soit les souks ou, ou la rue du Sentier, pour moi c'est à peu près la même chose parce que Juan est là au milieu, voyez. Je sais pas. Alors peut-être pour ne pas pour aller vers la fin, je vous poserai une, une dernière question et une question qui servira aussi de peut-être de transition vers l'intervention de Roland Béard qui va s'entretenir avec vous de votre travail de retraduction des classiques espagnols un travail qui n'a pas seulement été applaudi par Juan Gauthier Solo, il faut le souligner, mais qui l'a même amené à préfacer votre travail de traductrice. Je me suis demandé si vous n'avez jamais souhaité écrire une note de traductrice pour accompagner les textes contemporains que vous avez traduits en en signalant les enjeux. Plus concrètement, pourquoi avoir rendu votre présence de traductrice si discrète, voire même invisible, après avoir déclaré, et je vous cite cette fois, et avoir découvert en Cévero Sardouille et Gautis Solo des auteurs non pas avares mais généreux, vous l'évoquiez tout à l'heure, capables de sacrifier la forme première pour préserver dans la traduction l'effet premier, le rapport premier. Je continue à vous citer. Ils vous ont toujours encouragé à respecter leur texte au maximum, c'est-à-dire à le transformer, à le refigurer, afin de donner aux auteurs français l'équivalent le plus proche, parfois très éloigné du texte original. Au pire, une petite phrase. Les modifications apportées au texte original ont été faites en accord avec l'auteur. Alors pourquoi, d'une certaine manière, écriviez-vous au pire Parce que j'ai horreur de ça. <rire> 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 Simplement que j'aurais euh, pu dire au mieux, mais, mais, mais ce n'est pas, pas mon opinion, c'est quand, quand on ne peut plus faire autrement. Vous voyez, au pire, c'est quand on ne peut plus faire autrement. Autant le dire, parce que sinon les gens vont penser, je fais ce que je veux et que l'auteur n'a pas son mot à dire. Or, l'auteur est tout à fait en accord avec moi. C'est pour ça que je dis « au pire mm ». -hmm. Voilà. Et ça rejoint peut-être aussi une des questions que vous a posées tout à l'heure, euh, Gustavo. Est-ce que vous vous sentez parfois co-auteur, co-autrice, justement, euh, cette, cette distinction Tout à l'heure, vous parliez de la traduction comme brouillon. Est-ce que dans ce travail, de, sur les livres de, de Severo Sardou, il figurait en collaboration avec l'auteur Dans le cadre de Juan Gauti Solo, cette mention n'apparaît jamais mais on voit aussi que ce travail a été très présent, très prégnant. Est-ce que vous avez eu le sentiment Vous avez aussi parlé des effets de rétroactifs, non euh, La syntaxe de Juan qui adapte, qui passe du gérondif à l'infinitif. Est-ce que vous avez eu ce sentiment Est-ce que, ou bien pour vous, c'est eux Vous avez, quand vous le présentez, vous avez c'est eux. Et puis dans votre travail, il y a un véritable travail aussi de création pour pour le lecteur francophone qui sent cela. Écoutez. Je, comment vous dire. Vous savez, le travail de traduction, jusqu'à un certain moment, je me souviens qu'à la fac, on me disait "Enfin, qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu perds ton temps à traduire ce pauvre type vous Comprenez. On, à l'époque, aujourd'hui, tout le monde traduit, mais à l'époque, c'était vraiment une perte de temps sèche. C'était pas du tout un travail reconnu. Et je vous avoue que moi, euh, tant que j'ai traduit Juan, je ne me sentais aucun aucunement auteur ni co-auteur, j'étais là et puis je l'aimais beaucoup et puis, et puis ça me permettait, si vous voulez, ça a l'air idiot de dire ça, mais c'est vrai, euh, à travers la traduction, j'avais accès à des êtres merveilleux, si vous voulez, hein, voilà, donc je n'avais pas, be pas besoin d'aller les chercher, ils venaient à moi, donc à travers Juan, j'ai connu toutes sortes de gens formidables, dont Monique Lange, qui était sa femme. Et, et, et je me contentais, j'enjeunais, même j'engeûnais, qui m'ont regardé d'un air, alors il était terrible, mais euh, je me contentais de ça, c'était ça mon cadeau. Mon cadeau, c'est à travers eux, à travers ces livres que je traduisais, d'auteurs qui étaient des gens merveilleux, je pouvais connaître des gens fantastiques que moi-même, toute seule, j'aurais jamais connu. C'était ça surtout. La traductrice, c'était rien à l'époque. Et il a fallu attendre. Le, le succès, si je puis dire, de, de, Don, de Don, Don Quichotte, pour que je me sente euh, enfin, reconnue pour ce que j'avais fait, si vous voulez. Sinon, bof, c'était rien, bien sûr. Merci. Comme cela a déjà été évoqué, vers le milieu des années 90, vous avez été amené à traduire des classiques de la littérature du siècle d'or. D'abord, Don Quichotte, au seuil, en 1997, puis La Célestine, de Fernando Rojas, Fayard, 2006, puis Le Buscon de Quevedo. Et enfin, une anthologie de textes de Thérèse Davila, Les Chemins de la Perfection, Fayard 2015. Ces traductions forment un ensemble qui pose une série de questions générales que je voudrais d'abord formuler rapidement avant d'envisager plus en détail votre traduction de chacune de ces œuvres, et en particulier du Quichotte. Alors, tout d'abord, quand on considère la trajectoire très riche qui vient d'être évoquée de vos traductions depuis la fin des années 1960, on est tenté de s'interroger sur les raisons. Qui vous ont fait aborder les rives de l'espagnol classique. Et qui plus est, en commençant par le texte peut-être le plus monumental de tous, Don Quichotte de la Manche. Je voudrais vous poser d'abord deux questions à ce sujet. Premièrement, comment la proposition vous a-t-elle été, été faite de traduire Don Quichotte Quel fut en particulier le rôle de Sardoui pour l'idée même d'une traduction à nouveau frais du Quichotte et celui d'Annie Morvan, alors directrice du domaine hispanique aux éditions du Seuil et en second lieu, est-ce que cette traduction était le résultat d'un concours de circonstances ou répondait-elle à une envie ancienne, nourrie peut-être au fil des années, parallèlement aux traductions d'autres textes que vous alliez publiant Je crois me souvenir en particulier qu'il y avait eu, en amont, un épisode lié au Tréteau de Maître Pierre de Manuel de Faille. <laughs> Alors. Je, vous m'avez vous posé plusieurs questions. Je commencerai par la première. Comment cela s'est-il fait Vous savez, c'est comme l'histoire de. Puis si tu fais médecine, on ne se verra plus fait espagnol. Là, c'est tout d'un coup, je crois que c'était l'heure du déjeuner ou juste après déjeuner, je crois qu'on était encore à table. J'ai un coup de téléphone d'Annie. Dis donc, tu veux traduire le Quichotte Évidemment, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et elle m'a dit Mais non, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Je dis Mais que. Enfin bref, voilà. C'était juste une question d'Annie Morvan, qui était alors, comme euh, tu l'as dit, éditrice de l'Espagnol au, au, au Seuil, et cela venait sans doute quelque part de ses vélos, mais moi je n'ai jamais eu accès aux, aux racines, si vous voulez, de ce désir du Seuil. Simplement, euh, Annie m'a expliqué, Annie Morvan m'a expliqué, voilà, le Seuil voudrait une traduction euh, du, du Quichotte sans notes et qui ne tombe pas des mains. Et alors, on m'a dit une chose, elle ne savait pas à quel point elle tombait juste, et que Nathalie Sarrote puisse lire. Parce que Nathalie Sarrote, on savait tous que Nathalie, euh, ne, dès qu'elle lisait quelque chose, ça lui tombait des mains. Or, moi, je connaissais très bien, des, par des hasards de la vie, très bien Nathalie. De Sarote. Alors je lui dis, voilà, Nathalie. Malheureusement, j'ai fini. Elle était, elle avait 99 ans, elle ne pouvait plus lire. Mais, mais enfin, euh, voilà ce qu'on m'a dit au, au seuil une traduction moderne, sans note. Enfin, sans note, c'est plutôt moi qui l'ajoute, mais une traduction moderne que Nathalie Sarote puisse lire. Voilà. Alors, évidemment, j'ai cru véritablement à une plaisanterie. J'ai demandé si ça n'avait pas été demandé à d'autres avant moi. On m'a dit que oui, mais qu'ils avaient refusé. Euh, et, et, et j'étais en train de faire une thèse que je n'aurais jamais fini, Et je me suis dit, ben, autant faire le quichotte. Et puis, je me suis dit aussi, surtout, je peux toujours commencer. Je n'ai pas besoin de finir. Vous voyez Voilà, enfin, toute une série de, de comment dirais-je, de, de parois comme ça, de parois de verre qu'on se met devant les yeux en se disant, ben, c'est fini, on arrête. Bon, Ce n'est pas la peine, vous voyez Et qu'est-ce que je risque surtout à essayer c'était ça surtout. Qu'est-ce que je risque Rien. Je peux toujours m'arrêter quand je voudrais. Je rends l'argent et on s'en va. Voilà. Et sachant que je ne risquais rien et que c'était quand même mon métier, j'ai dit oui. Voilà. Tout simple. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il y avait une euh, familiarité avec le texte antérieur à cette traduction Alors, je peux vous dire que je l'ai eu à l'écrit et à l'oral. À l'écrit, il y avait euh, Maîtres et Serviteurs dans le Quichotte et la Célestine. Et à l'oral, j'ai eu l'art du dialogue dans le Don Quichotte. Le faire. Voilà. Mais à part la phrase dont je vous ai parlé euh, avec Chano, il n'y avait pas une familiarité particulière. Non, non, non. Merci. Alors, Bénédicte Vautier employait tout à l'heure l'expression de travail de retraduction. J'insiste sur le trait d'union du retraduction. Des classiques. C'est sans doute ce qui caractérise les classiques d'ailleurs, dont on peut dire qu'ils sont classiques dans la mesure où ils résistent à la traduction et exigent à intervalles réguliers d'être retraduits. L'une des différences entre votre traduction de ces classiques donc, et celle des textes précédents était que, autant vous deviez inventer pour traduire Donoso, pour traduire Sardoui ou pour traduire Goitisolo, autant vous deviez réinventer pour les classiques et par conséquent. Vous démarquez plus ou moins volontiers de vos prédécesseurs. En quelle mesure donc les traductions déjà existantes furent-elles une aide à votre travail Et dans quelle mesure purent-elles aussi constituer un obstacle La question se pose tout particulièrement pour Don Quichotte, où le poids de la traduction est le plus évident, avec les traductions en particulier de Louis Villardeau, de Jean Cassou ou de Francis de Miomandre, pour ne citer que les plus classiques. Mais la Célestine, le Bousquin, nous s'intéresse, pose en réalité tout, en, tout autant ce, ce même problème. Euh, Borges a une phrase qui est très belle et très juste en plus. Euh, les, euh, le, les traducteurs d'une même œuvre, des retraducteurs d'une même œuvre, forment une, constituent une dynastie ennemie. C'est-à-dire qu'il est très facile, enfin facile, on traduit toujours contre ceux qui vous ont précédés c'est très clair alors dans la mesure où on me donnait euh, comme objectif une traduction moderne il était évident que je n'allais pas faire ce que les autres avaient fait alors deux choses que je voudrais dire premièrement et ça tant donné que j'ai pas une grosse tête moi je suis pas une intello euh, je ne réfléchis pas tout le temps quoi voilà je me suis dit tu vas faire ce que tu sais faire, ma vieille. Tu vas faire ce que tu sais faire. C'est-à-dire, tu vas traduire Cervantes comme tu traduis Roiti solo. Et j'ai abordé les 50... Vous savez, on, on vous demande toujours de traduire 50 pages pour euh, pour savoir si vous êtes à la hauteur. Hein. Bon. J'ai commencé à le traduire comme j'aurais commencé à traduire un livre de Juan. Euh, sans euh, sans parti pris d'archaïsme. Enfin, bref comme je le ferai d'un autre livre. Voilà. Donc, et, et ça a marché, il est, évidemment il, avait, il est évident qu'il y avait des choses qu'il fallait déplacer, que, que... Bon. Alors, ça, c'est une première chose. Et alors, pas de chance, le, le texte, parce que, vous savez, moi, je, ce que, quand ils m'ont dit traduisez 50 pages, ce que je fais, je prends le livre, enfin, un des deux, quoi, et puis j'ouvre. Et puis là où ça tombe, je, je traduis. Et donc, c'était tombé sur un chapitre où, malheureusement... Il, avait, il parlait de Sidi Amete, Benengeli. De alors il fallait déjà commencer à traduire ce truc. Et alors là, il faut que je vous dise quelque chose, quand même. On traduit avec sa langue, bien sûr, bon, c'est le français, mais on traduit aussi avec sa biographie. Hein? J'étais né au Maroc. Et quand vous lisez. Alors je sais si. Et je voyais Side, 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 amete Benengheli. Je mais ça ne tient pas debout leur truc, parce qu'évidemment. Alors, revenons 30 secondes aux autres traducteurs. Il est bien évident que je ne me suis pas gêné hein, parce qu'il y en avait pour une fois, c'était la première fois qu'il y avait d'autres traductions. Alors, allez-y Et j'en ai mis tout autour. J'avais quatre euh, ou cinq traductions françaises, trois traductions anglaises, et malheureusement, ce sont les seules langues que je connais, autrement, j'en aurais pu piocher d'autres. Et j'étais en permanence, et même quand je partais en voyage, j'en emmenais quelques-unes, vous voyez, pour être sûre de ne pas être toute seule. Et, et, et voilà. Donc, les traducteurs m'ont énormément aidée à ne pas faire ce qu'ils faisaient, et parfois à faire ce qu'ils faisaient. Bon, mais revenons à ce que je disais si je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que je voulais dire Ah là là dit Pardon Sidi Amete. Voilà, sidé à mété. Je me suis, c’est pas possible, sidé à mété. Ou bien on dit le sidé, alors on se croirait chez Corneille. Ou bien on dit sidé et ça veut rien dire. Vous savez à quoi j’ai pensé à ce moment-là Je me suis dit, en pensant à mon passé, à ma, à, à ma vie au Maroc, je me suis dit, les Français auraient dit Sidi Mohamed ben Couscous. Seulement, je ne pouvais pas aller jusque-là. Alors, je me suis dit, Benengeli se benenjena. Euh, euh, comment je l'ai traduit au fait Vous vous souvenez Sidi Ahmed Ben Benengeli. Voilà. Alors, de toute façon, la seule chose que je pouvais me permettre donc de Ben couscous, ce n'était pas possible. Pourtant, c'était ça, parce que ben c'est de la nourriture, vous comprenez Et c'est la nourriture que les, les musulmans de l'époque, les envahisseurs, avaient apportée. Alors, le Ben-Couscous, aurait été formidable. Mais je n'osais pas. Et, mais au moins, je me suis coltiné avec le Sidi Hamete, et j'ai redonné, si vous voulez, ce que moi j'avais tout, toute ma vie entendu, Sidi Ahmed. Et c'est devenu alors Sidi Ahmed ben et ça, dès la première, euh, la première, le premier envoi que j'ai fait au seuil, si vous voulez, j'ai été obligée de débroussailler une, une difficulté qui, pour moi, était essentielle. Et je, je l'ai fait, justement, avec ma biographie. voyez, avec ce que moi, je savais du Maroc. Voilà. J'ai répondu Oui. Oui. Est-ce que pour les autres œuvres classiques que vous avez traduites, est-ce que vous avez eu ce dialogue avec des prédécesseurs aussi parce que ça a été moins marquant. Euh, avec le Bourcon, il y en a eu un ou deux. Je regardais quand même ce qu'ils avaient fait dans la Pléiade. Il y avait le Bourcon qui était traduit. Alors évidemment, c'était beaucoup plus classique, mais c'est vrai que quand on ne comprend pas certains passages, il est, il est merveilleux de voir que d'autres les ont compris et bien compris. Seulement, ils ne les ont pas traduits, peut-être, comme on souhaiterait. Alors, on garde le, le sens, si vous voulez, et puis on change la syntaxe et. Et le lexique, mais ça aide énormément d'avoir un avant, si vous voulez. Et pour Sainte Thérèse, c'est pareil. Je crois que ça a été la même chose, sauf que je n'ai pas fait comme les autres, mais j'avais aussi les traductions précédentes de Marcel Auclair, de comment s'appelle-t-il ce professeur de Nanterre qui va me souffler Me saisir. Non, il n'est pas décédé, il est vivant. Bernard Cezé, Bernard Bernard, j'ai entendu c'est ce, Bernard Cezé, j'avais donc d'excellentes traductions, et c'était très difficile de faire mieux. Voilà, donc les traductions m'ont toujours aidé, m'ont toujours mmh. été indispensables quand elles existaient. Voilà. Alors vous y avez déjà répondu partiellement, mais je voudrais revenir sur le défi que représente euh, traduire Don Quichotte. Un auteur espagnol du 19e siècle, José marias Barbi, s'était amusé à composer... En réponse à José María Asensio, un passe-temps littéraire sur la intraducibilidad del Quijote, donc la non-traductibilité du, du Quichotte. Or, au cours d'une table ronde organisée lors des 28e assises de la traduction littéraire consacrée aux monstres en traduction, vous affirmiez que ces monstres, dont Quichotte en l'occurrence, ne sont pas dévorateurs et que bien au contraire, ils se laissent apprivoiser. J'aime bien cette image du traducteur mmh. qui apprivoise. Plus même, disiez-vous, il ne demande que cela, qu'on s'occupe d'eux. Pourrait-on alors dire que traduire Cervantes, cela a été un peu pour vous, répondre à une exigence que, qui émanait de Cervantes même, dans son texte, que formulait Sanson Carrasco, à savoir que l'histoire de l'ingénieux Hidalgo soit bientôt traduite par toutes les nations et dans toutes les langues Écoutez, pendant que vous parlez, j'essaye je, de me remettre dans l'état où j'étais. Ça a été un bonheur pendant six ans tous les jours je savais que je devais faire une page et ça a été un bonheur parce que, parce que je crois que c'est parce que c'est ce texte hein, et qu'il est tellement extraordinaire mais je rigolais toute seule en traduisant sancho voyez je veux dire il y a quelque chose et puis je voudrais vous lire un passage tout de même don quichotte c'est comment vous dire il y, a, il, y a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, tranches comment dirais-je il est il est multiple cet homme il, il est le, la caricature de, du, du, du chevalier errant euh, parce que, mais ça c'est la première image hein. après il y en a une autre il y a le type drôlement intelligent et qui sait parfaitement ce que c'est que l'éducation et qui sait parfaitement ce que c'est que tout et, et je vais vous lire un passage et puis il y a Enfin, il y a mille et une, on peut dire ce sont des facettes, mais euh, il y a une construction de la part. Je voudrais vous dire autre chose aussi, voyez. C'est qu'un traducteur, ça n'est pas le traducteur seulement des mots, mais comme le dit euh, Mahmoud Darwish, il dit, « Il est le guetteur de l'ombre et de ce qu'elle révèle. » Or, dans le Quichotte, il y a plus d'ombre, que je n'en ai jamais traduit dans aucun autre livre. Et c'est ça qui est nourrissant. Et quand je dis les ombres, c'est tous ces noms-dits, tous ces noms-dits qui qui changent, comment vous dire, la perception de ces ombres, elles changent avec les époques. C'est pour ça que les traductions doivent changer. Il faut que ce livre nous montre. Regardez, je vous donne un exemple. J'ai traduit ça. Bon. Je connais très bien Pierre Vidal-Naquet, mais il savait pas que c'était moi qui traduisais, donc il, il m'envoie cher madame. Bon enfin, le, notre regretté, Pierre Vidal-Naquet, vous savez qui c'était, vous vous rappelez, bon. Et il me dit, chère madame, bon, j'ai lu, bon. et il me dit, au moi d'un doute, Cervantes était bien contre l'expulsion des morisques. Je me suis dit, zut, alors, j'ai pas écrit, j'ai pas traduit pour rien, voyez-vous Parce que, avec un texte clair et qui dit les choses comme elles sont, il faut qu'on soit capable de lire l'arrière plan de ce que veut dire Cervantes, c'est-à-dire bien sûr qu'il est contre l'expulsion des maurices, qu'il est contre l'éducation des femmes euh, on, à, auxquelles on impose ceci et cela, qu'il est contre l'éducation des garçons à qui on refuse de faire de la poésie parce que soi-disant la poésie ça se vend pas, etc. C'est-à-dire etc. Hein que Cervantes j'ai fait une, une conférence qui s'appelait les silences de Cervantes c'est-à-dire tout ce qui sort, ce qui sort entre les rainures de ce texte entre les des ombres de ce texte et qui est la véritable substantifique moelle du quichotte et c'est pour ça qu'on continue à le lire aujourd'hui et je pense que quand on le traduit de manière claire hein, j'en crache <laughs> les choses apparaissent alors c'est pour ça que je me permettrai si vous vous permettez de lire juste un petit passage où tout d'un coup Don Quichotte est le le grand homme, si vous voulez, il n'est plus la caricature, il n'est plus l'imbécile, et c'est le prêtre qui devient l'imbécile. Et, et Juan, j'allais dire non, et Cervantes se permet ça. Nous sommes au chapitre 22 de la deuxième partie, quand Don Quichotte est donc chez le duc et la duchesse, et puis qu'il y a un, un prêtre qui lui reproche je ne sais quoi euh, en disant Mais enfin, vous êtes un imbécile. Hein me direz vous au moins, monsieur, laquelle de mes extravagances vous autorise à me critiquer et à me condamner comme vous le faites, à m'ordonner de rentrer chez moi pour prendre soin de ma femme et de mes enfants, sans même vous préoccuper de savoir s'ils existent. Alors je saute. Serait ce donc se lancer dans une vaine entreprise, ou perdre son temps, que de le passer à courir les routes en y cherchant non pas les plaisirs de ce monde, mais les épreuves par lesquelles les hommes de bien atteignent à l'immortalité. Si j'étais traité de sot par des chevaliers, par des hommes d'illustre naissance, par de grands seigneurs, je le ressentirais comme une offense irréparable. Mais que les pédants me considèrent comme tel, eux qui n'ont jamais fait un pas sur les sentiers de la chevalerie, je m'en moque. Chevalier, je suis, et chevalier, je mourrai s'il plaît à Dieu. Il y en a qui choisissent la voie spacieuse de l'ambition et de l'orgueil d'autres celle de l'adulation servile d'autres encore empruntent la route de l'hypocrisie trompeuse et quelques uns le chemin de la véritable religion. Quant à moi, guidé par mon étoile, je m'aventure sur les trois sentiers de la chevalerie errante, où l'on méprise l'argent, mais non l'honneur. J'ai vengé des offenses redresser des torts, châtier des insolents, vaincu des géants et abattu des monstres. Et si je suis amoureux, c'est seulement parce qu'un chevalier errant ne peut se dispenser de l'être. Mais je reste un amant platonique et continent. Je n'ai d'autre but que de faire le bien à tous et de ne jamais nuire à personne. À vous, monsieur et madame la duchesse, de juger si quiconque pense de la sorte et agit de la sorte. Mérite d'être traité d'imbécile. Hein c'est pas magnifique, ça Là, c'est le Quichotte. Hein On n'est plus dans la caricature. Voilà. C'est sublime. La presse parla en 1997, lors de la publication de votre traduction, de la plus moderne et la plus audacieuse des traductions en langue française du Quichotte. La difficulté dans la traduction de Don Quichotte, comme d'ailleurs de tout classique, est qu'au transport d'une langue à l'autre, s'ajoute le problème du transport d'une époque à l'autre. Je voudrais vous demander, dans ce sens, quels ont été les choix les plus importants que vous avez dû prendre Quelles décisions ont été particulièrement difficiles à, euh, à prendre Quelles ont été vos trouvailles aussi Et Je pense en particulier, mais peut-être qu'il y en a d'autres, à trois choses. La traduction des archaïsmes dans le texte du Quichotte, par exemple, insula. Euh, celle des proverbes ensuite, oui. et puis enfin la question de la construction des phrases avec les nombreux subjonctifs, qui posait un problème aussi, je crois, dans le rendu euh, en français. Vaste question. C'est la traduction elle-même que vous me demandez d'expliquer alors bon je l'ai écrit dans la préface je peux peut-être le répéter que au, vous savez on n'a aucune idée préconçue quand on commence hein. quand on commence on ne sait pas où on va trop trop bien on, on, on tâte le terrain et on tâtonne voilà et puis petit à petit hein, petit à petit euh, ce, ce comment dirais-je devient clair euh, que euh, on ne peut pas utiliser certains mots et qu'on peut en utiliser d'autres. Je vous donne un exemple. J'avais utilisé un proverbe dans lequel il y avait le terme, euh, Sancho disait, euh, si ça continue, euh, si vous ne me donnez pas, je ne sais pas trop quoi, je vais tomber dans les pommes. Et moi, je me disais, ah, c'est pas mal ça. Et puis donc, et quand j'ai relu, je me suis aperçu que ce tomber dans les pommes grinçait par rapport au reste. J'ai cherché, j'ai commencé à ce moment-là à chercher j'ai acheté le dictionnaire Robert, historique, et je me suis mis à chercher la, la date d'entrée des mots dans la langue française. Et je me suis aperçu que le tomber dans les pommes, c'était 1800 et quelques. Ouh là là, trop loin, beaucoup trop loin. Alors que tout, tout mon effort était justement de rester aux environs de 1650. Et petit à petit, je me suis aperçu que, bon, il y a des exceptions, hein. il, y aura, il y a des exceptions, parce qu'on ne peut, peut pas tout faire magnifiquement bien, mais le 98%, si vous voulez, de, des mots qui sont qui, dans ma traduction n'entrent pas après 1650 dans la, dans la langue française. Et c'est ainsi que... Alors, comment on fait pour garder ce, cet aspect, euh, pour donner cet aspect moderne, c'est-à-dire pour que tout le monde comprenne Parce que l'important, c'est qu'il faut qu'on comprenne sans notes. Hein. C'est ça qui compte. Bon, comment on va faire alors Alors, il y a le lexique, mais le lexique... En espagnol, le lexique a varié beaucoup plus qu'en français. Si vous voulez, des, des, des termes de 1650 ne sont plus re, reconnaissables aujourd'hui. Alors qu'en France, à partir de 1650 jusqu'à aujourd'hui, voyez, on peut utiliser des termes tout à fait compréhensibles. Alors, l'important, finalement, une fois qu'on a décidé ça pour le lexique, c'est la syntaxe. Hein Parce qu'il est évident que Cervantes utilise encore une syntaxe du genre latin, ou latine, si vous voulez. Hein, ou euh, et puis circonvolution puis il se répète et je me répète alors je me demande si c'est du latin ou si c'est pour que tout le monde le comprenne parce que c'est quand même une œuvre qui est au départ orale hein. elle est écrite bien sûr mais elle est surtout lue oralement à tous ces gens qui ne savaient pas écrire qui ne savaient pas lire pardon. donc la syntaxe donc il y a eu cette, cet effort permanent de conserver un lexique qui était donc euh, non pas moderne mais compréhensible. Par les gens d'aujourd'hui, hein, et ensuite créer de, retrouver une syntaxe qui, qui s'accorde, comme dit, euh, je sais plus son nom, mésonique, avec le mode de signifier d'aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il nous donne une musique euh, euh, incompréhensible. On est dans la musique, hein, dans la syntaxe. Et, et si c'est une musique inaudible, le livre tombe, comme pour Nathalie Saut. Il faut que la musique soit audible. Et ça, ça a été la grosse difficulté. De chaque phrase, chaque phrase, et puis elles sont longues leurs phrases, ces phrases, hein. chaque phrase a été une difficulté. C'était, il fallait s'accrocher quoi, il fallait s'accrocher. J'étais en train de lire en, en venant l'interview le, le, d'Eri De Eride Luca dans Le Monde des Livres, et c'est un homme qui adore la montagne et qui vit dans la montagne. Et moi, j'ai fait beaucoup de montagnes, et pendant que je faisais le Quichotte, je travaillais le Quichotte, quand j'étais en train de traduire justement cette deuxième partie, j'ai fait mes 4000. Et, et c'est ça, traduire finalement. Traduire un livre aussi difficile, c'est commencer en sachant qu'on va arriver, même si c'est difficile. Et on y arrive. On y arrive. C'est dur, mais on y arrive. Voilà, c'est ça. J'ai répondu, je ne sais pas. Oui, oui, très bien. Merci. Euh, alors vous mentionnez justement à l'instant la, la deuxième partie. Et on sait donc qu'il s'agit d'une œuvre qui n'est pas intrinsèquement homogène. C'est un roman qui se compose de deux parties publiées à 10 ans de distance, en 1605 et en 1615. Deux parties qui dis, diffèrent entre elles, non seulement par certains aspects de la construction narrative, mais aussi même par leur langue, leur style. Et je voudrais savoir si vous avez pu prendre en compte cette évolution à l'œuvre dans le roman, qui le travaille en quelque sorte de l'intérieur, et comment ça a pu affecter votre euh, traduction. <laughs> bah, j'ai été complètement idiote, j'ai commencé à traduire la deuxième partie. Alors, évidemment, qui, qui va se mettre à, à commencer « et nous' lugar de la mancha » C'est la dernière chose qu'on traduit. Bon, donc je ne pouvais pas commencer comme ça, J'ai vais par la deuxième partie. Et... Ce qui a été extrêmement difficile après, c'est qu'il a fallu que, que je redescende, il si vous voulez. il a fallu que je m'habitue à un auteur de 15 ans plus jeune, euh, d 10 ans à peu près, 10 ans plus jeune, c'est-à-dire qui écrivait de manière tout à fait différente, et un auteur pour qui, comment dirais-je, qui n'avait pas encore idée, premièrement, de son succès, et deuxièmement, du fait qu'il y aurait un, un autre bonhomme qui viendrait lui piquer le morceau. voyez Alors, j'ai fait une bêtise. Si c'était à refaire, je ne referais pas. Mais bon, ça ne sera jamais un pauvre moi, en tout cas. Mais euh, ça a été extrêmement difficile de passer du style du deuxième au style du premier. Euh, qui est tout de même. C'est un autre auteur qui écrit. Il, a, il est non seulement plus jeune, mais, mais il n'a pas cette perspective encore. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu l'expulsion des Morisques. Bon, elle se prépare, mais elle n'a pas eu lieu, voyez-vous. Et ça, ça, ça a bouleversé la deuxième partie. Voilà. Alors au cours de, de la même table ronde des assises de la traduction littéraire que j'évoquais tout à l'heure, vous mentionniez aussi à propos de votre travail de traductrice un journal de bord mm. dans lequel vous consignez un ensemble de considérations relatives à votre travail. Alors je voudrais vous demander quel rôle ce journal de bord a joué dans votre travail, comment ça se passait concrètement, en quoi cette écriture en marge de la traduction éclaire cette traduction. En quoi elle peut aider aussi. Et, et, et se poserait aussi la question de savoir si d'autres journaux ont existé de ce genre en marge d'autres traductions. Vous parlez de, de, de mes traductions De vos traductions, oui. évidemment. Bon, alors, euh, je vous dis tout de suite que, oui, euh, <laughs> comment vous dire, il y a des passages intéressants, voilà, et puis d'autres qui ne valent rien. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de, comme on dit en espagnol, C'est comment on dit ça en français, se, se soulager. Se soulager, voilà. Se soulager, mais on ne peut se soulager avec personne, parce que personne n'est dans votre truc. Et ce n'est pas à voir que j'allais embêter pour lui dire, tu sais, ça et ça et ça. Alors, je me soulageais sur mon journal. Et, et j'écris, euh, la plupart du temps, je n'en peux plus, c'est trop long. Euh, voyez, des, des choses comme ça. Et, et pourtant, il faut tenir, et puis d'autres choses aussi, mais bon, c'est trop long, je ne pourrais pas vous en parler maintenant. Mais je suis en train d'écrire un, 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 un livre euh, sur justement la traduction et la vie, et il y aura des passages de mon journal dans, dans ce livre. Donc, je préfère ne pas trop en parler pour l'instant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a besoin de. D'une fenêtre ouverte de temps en temps, sur, de, de respirer, de crier, de soupirer, de, de cracher. Voilà. Merci. Alors, votre traduction de Don Quichotte a eu une vie, je crois, après sa publication. En particulier, je pense au fait que, en 2006, je crois, vous avez monté un spectacle à partir du roman Quichotte, joué à Cannes, à Nanterre et à Belfort, je crois. Je voudrais vous demander dans quel rapport. Port, ce spectacle qui suppose une réécriture du texte, se situe euh, face à la, à la traduction Est-ce que ce spectacle exprime par exemple un désir d'appropriation du texte de Cervantes on, on en parlait tout à l'heure déjà, de l'appropriation du texte par le traducteur. Un texte qui serait devenu si familier euh, par le fait même d'avoir été traduit. Et si tel est le cas, dans quel sens cette appropriation euh, tend Alors. Je vais corriger un petit peu ce que vous dites, je crois. Ça n'est pas une réécriture du tout, mmh. c'est un redécoupage. Et moi, je n'ai fait que dire amène, enfin corriger des, des petites choses, mais dire amène à ce que le metteur en scène, qui est Didier Galas, faisait. Donc, on n'a absolument pas réécrit le Quichotte, simplement on l'a découpé de manière Remarquable, pour moi ça a été un, un spectacle. Vous savez, le sens du Quichotte, euh, bon, il est, il est multiple, mais enfin, ce, ce garçon a, a réussi à, à mettre en scène le Quichotte comme personne, parce qu'il y a eu au moins une quinzaine de, de mises en scène du Quichotte après lui, voyez-vous, en, en 20 ans, et personne ne l'a fait aussi bien que lui. Alors, c'était des séquences, c'était exactement le genre de la manière dont, dont Cervantes divise son, son texte. Enfin, ce sont des, des histoires bout à bout, et, et ce sont des, des chapitres, vous savez, le cuento de un c'est ça. Et il en a fait justement des séquences extrêmement visuelles et extrêmement belles, sans changer absolument rien au texte, mais, mais en, en mettant le, le texte en scène. Alors, il y a évidemment qu'il y a des paroles, mais c'est surtout la mise en scène qui était belle. Voilà, donc il euh, n'y a pas eu de réécriture et euh, à aucun, dans aucune des, des représentations du Quichotte qui ont pu se faire, euh, dans, euh, en dernier c'était le théâtre de Bagnolet qui a fait quelque chose de très bien. Il euh, euh, y en a eu d'autres qui étaient moins bonnes. Enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais jamais ils n'ont touché au texte. Ils ont simplement redécoupé le texte. Mais jamais touché au texte. Hein. C'était. Ouh là là J'étais là pour refuser ça. Toujours le respect. Le voilà, texte. le respect. Alors maintenant, si vous le permettez, évoquons les textes classiques dont la traduction a suivi celle de, de Don Quichotte. Il vient d'être question de théâtre et le texte qui vint après Don Quichotte, ce fut La Célestine, le registre des textes classiques. Comment se fit ce choix Alors, euh. Autant jusqu'au Quichotte, je n'avais moins jamais osé dire je voudrais traduire ceci ou cela, puisque je n'existais pas, je ne pouvais pas avoir de désir. Bon, et eh bien là, enfin, après le Quichotte, j'avais le droit de dire ah, je voudrais traduire ceci. Et comme chez Fayard, il y avait cet être exceptionnel qui était Claude Durand, avec qui j'avais un excellent rapport, il était directeur, il avait été directeur au Seuil à l'époque où je traduisais déjà, et puis bon. Et je lui ai dit, écoutez, je voudrais traduire la Célestine. Il m'a dit, mais comment donc, cher ami Vous voyez Je veux dire, à l'époque, on, on vous acceptait ces choses-là. Donc j'ai traduit encore 50 pages. Et, et, et tout s'est bien passé. Et pourquoi la Célestine Alors, si vous voulez, étant étudiante, j'avais donc eu la Célestine au programme. Et j'avais eu euh, Santa Teresa. Et je m'étais toujours dit, Santa Teresa, je la traduirai. J'avais 20 ans. Et je m'étais dit « Santa Teresa, je la traduirai », mais comme c'est la personne la plus redoutable à traduire, j'ai fini avec elle, vous voyez. Voilà, mais en tout cas, euh, la Célestine, c'est parce que je l'avais beaucoup travaillée, parce qu'on en parlait énormément avec Juan, il adorait ça, on en parlait souvent. Et, et Juan était vraiment, euh, comment dirais-je, un autre, un autre moi-même, c'est ridicule de dire ça, mais je veux dire, on était en confiance. Même dans, dans la parole, si vous voulez, en dehors des livres. Et si Juan me, dit, me parlait beaucoup de ça, je me suis dit, allez, on y va. Voilà. Alors, justement, dans le texte de Goethe Solo que vous avez traduit et placé en guise de préface au début de votre traduction de La Célestine, Juan Goethe Solo caractérise la langue de La Célestine dans des termes qui donnent une idée de la difficulté de ce qu'il y avait à traduire et la nouveauté que ce langage-là supposait dans la langue espagnole aussi, entre le, le 15e oui. et le 16e oui. siècle. Alors, je me permets de le citer. Rojas joue à la perfection des différents registres d'un langage inédit, brutal, libéré des conventions qu'on lui imposait jusqu'alors. Il frôle l'obscénité, se vautre dans la rudesse, accélère vertigineusement le rythme, enfile les phrases comme on enfile des perles, les malmène, transforme la matière verbale pour en faire un organisme prodigieusement vivant. Du coup, la question que je voudrais vous poser, c'est quelles furent pour vous, et face à ce texte, les difficultés majeures au moment de le traduire Premièrement, j'ai un peu oublié, <laughs> mais enfin, euh, là n'est pas la question. Euh, C'était très difficile aussi. Mais, comment vous dire, je me suis attenue, attenido, je me suis tenue aux mêmes, aux mêmes critères que ceux du Quichotte, c'est-à-dire alexique qui, qui soit non pas moderne donc s'en note toujours mais euh, qui soit comment dirais-je qui ne soit pas postérieure à 750 et puis une syntaxe qui elle aussi soit fluide alors je crois que l'essentiel c'était de découvrir qu'au fond si rojas parce qu'il le fait fait parler les, les serviteurs comme les maîtres, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre la manière dont parle Calixto ou Sempronio ou Parmenonon. Et, et ce, ce que ça veut dire quelque part, c'est qu'ils ne valent pas mieux les uns que les autres. C'est-à-dire que Calixte et... Euh, et euh, j'ai oublié son nom, Madame Mélibé. 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 Que Calixte et Mélibé... Ne valent, ne valent pas mieux que leurs servantes et serviteurs respectifs. Et quand. C'est ça que, que j'ai découvert, moi, en lisant, voyez, en lisant attentivement, en traduisant, c'est ça que j'ai découvert. Il y a une espèce de. de le, le partout, c'est quoi C'est le stupre et le lucre, et ils sont tous au même au même stade, si vous voulez. Voilà. Alors la Célestine n'est rien, n'est pas moins que Calix, n'est pas moins que, que Mélibé, bref. Et. J'ai essayé, si vous voulez, de traduire tout le monde au même niveau. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire pour donner une, une cohérence à, à ce texte et une facilité de lecture aussi. Voilà. Alors, vous avez pu dire que sans ce travail sur des textes d'écrivains vivants, présents, une espèce de duel face à face, vous n'aurez jamais eu le courage de vous lancer dans la traduction du Quichotte. Dès lors se pose la question de savoir, mais on en a un peu parlé déjà, la question de savoir quel fut le rôle dans vos traductions du Quichotte, mais aussi des autres classiques, des auteurs récents que vous aviez traduits. Le travail sur Goitisol en particulier, vous avait-il préparé pour porter un certain regard sur les classiques espagnols et ce qu'ils supposent pour l'hispanité Plus concrètement, dans votre traduction de La Célestine, pour revenir à elle, Apparaissent deux textes en guise de préface. Le premier de Goethe solo, traduit par vous-même. Le second de Carlos Fuentes, traduit par Céline Zins. Que signifie la présence de ces deux auteurs, que vous avez bien connus, au seuil de votre traduction de La Célestine Pour faire vendre. <laughs> en, en gros, c'est ça. Hein. Mais il y a autre chose aussi derrière. Voilà. Non, en fait, c'est juste pour parce que voilà. Mais ce que je dois dire, c'est que tout de même, et il faut rendre hommage à l'université nous sommes dans l'université, enfin, dans l'école la plus prestigieuse de France et qui est connue dans le monde entier, et il faut vraiment rendre, euh, rendre à César, enfin, oui. euh, l'université euh, nous a quand même, m'a quand même, euh, enseigné beaucoup de choses. Elle m'a enseigné la traduction au sens où on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Hein, le respect du texte, moi c'est en faisant de la version d'Agrègue de, de que, que j'ai appris le respect du texte, voyez-vous. Et, et donc ça c'est très très important et il faut le dire, il faut dire que, que l'université aide énormément à faire du bon boulot après. Bon. Euh, donc d'un point de vue de la version, et puis. C'est à l'université que j'ai étudié Sainte-Thérèse et que j'ai commencé à adorer Sainte-Thérèse. C'est à l'université que j'ai étudié Don Quichotte, donc je connaissais quand même. Quand on a passé la grève avec Don Quichotte, on sait quand même un peu. Hein. Quand j'ai passé la grève avec la Célestine, on sait quand même un peu. Donc tout ça, 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 ça gargouillait à l'intérieur de moi, si vous voulez. Et c'était euh, quelque chose qui, 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 qui est sorti. Tout d'un coup, je me suis dit, mais, mais au fond, ce qu'il faut, c'est traduire les grands textes. Vous voyez C'était un besoin, c'est ridicule, parce que c'est dur, c'est dur. Vous vous rendez compte, de le Bourgogne Oh là là Mais, mais, mais il fallait. Je ne sais pas pourquoi vous dire. Je, je me suis dit, si, je sais que je me suis dit, pour les étudiants, ils ne vont pas passer par où moi je suis passé Parce que, franchement, la traduction de la Célestine de Gas, c'était pire que le texte. Alors c'est pas possible quoi. Et, et le, le Bourcon, il y en avait une de comment il s'appelle, c'était du 18e, 17e. Comment il s'appelait ce monsieur mais, Alors c'était bourré de contresens. Voilà. Alors, il y a eu ça aussi. Il y a eu, je me suis dit, puisque maintenant je peux, je crois que j'ai les forces, et eh ben je vais leur donner. C'était pas tellement de l'altruisme, mais c'était aussi du bonheur pour moi. Mais il y avait de ça. Voilà. Je crois qu'ils vous sont reconnaissants aussi. Alors justement, vous parliez de, du Bourcon. Euh, un autre monument un autre monstre qu'il fallait apprivoiser et dont la langue est je crois tout particulièrement difficile aussi et plus, car plus ingénieuse que ne l'est celle de, de cervantes donc la question qui se pose serait de savoir si pour le bousconne vous disiez que pour la célestine vous avez en gros appliqué les mêmes recettes que oui. pour don quichotte est-ce que le même procédé pouvait fonctionner pour le bousconne alors pour le bousconne si, c'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est un gars qui a vingt et quelques années, il est tout jeune, vous me direz que ça, euh, Rojas aussi était jeune. Mais euh, c'est, comment vous dire, le bourgogne, quand on le lit bien, enfin quand on le traduit en particulier, c'est une BD, c'est une bande dessinée. Où Quevedo, il reprend, il reprend des tas de choses qu'on dit, qu'on écrit. Des, des jokes des, des jeux de mots vous voyez ce sont des jeux de mots que les gens les histoires d'aubergines, et puis en fait plein de trucs maintenant je m'en souviens plus mais il reprend des jeux de mots qui étaient à la mode à l'époque et puis il en, il en il les il les comment il les enrichit d'une certaine manière voyez-vous alors il faut bien. Alors, heureusement, il y a des notes. Hein. Heureusement, il y a plein de notes, mon Dieu, heureusement. Parce que... Et alors, ils nous disent que ceci vient de cela et que c'était quelque chose que l'on disait, etc. Voyez-vous Et je l'ai traduit comme une BD. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas vous le dire moi-même, mais avec... dans l'idée que c'était lu comme une BD, c'est-à-dire des personnages que l'on reconnaît. Voyez où c'est ça surtout, des personnages que l'on reconnaît, des jokes, c'est-à-dire des chistes que l'on reconnaît aussi, qui sont pas neufs de lui. Voyez, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, euh, voilà. C'est ce qui est, ce qui est pas neuf non plus, c'est son antisémitisme, son anti-arabisme. Euh, euh, alors, j'ai essayé là de, de l'ouvoyer parce qu'il y avait des trucs qui m'étaient vraiment extrêmement difficiles à traduire parce que j'en voulais pas. Alors je me suis vengé par ailleurs. Je ne vais pas raconté ça. Ouais, j ai, j ai pas, je peux vous le dire en deux minutes. C'est-à-dire qu'il avait dit, en particulier des juifs, que, que c'était ces gens qui ont des grands nez, mais qui ne leur savent même pas à sentir le cochon. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment pas gentil. Alors, j'ai un moment donné où un des, un des voleurs qui est avec le Woussconne en prison, on ne on l'aime pas, parce que je ne sais pas pourquoi, et on lui dit, oh, mais toi, tu vas faire de la fumée, toi, ça c'est l'humo, ça veut dire qu'il va finir sur le bûcher. Eh bien, moi, j'ai traduit en pensant au four crématoire. vous voyez, comme quoi on peut se venger, hein même quand on est traducteur, vous, tu vas partir en fumée. Vous voyez, comme on dit que tous les gens partaient en fumée, vous avez entendu l'expression Oui Bon, et bien voilà, et ben je me suis vengé en traduisant comme ça. Alors, ceux qui s'en rendront compte s'en rendront compte, mais moi je le sais. Voilà. Là, nous n'étions pas dans le registre de la complicité ou de la, de la cordialité avec l'auteur. Non, cordu. il n'est pas sympa du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il est très adroit, extrêmement adroit. Mais euh, c'est un type euh, euh, que je n'aurais pas aimé rencontrer. Mais que vous avez souhaité traduire. Oui, parce que c'était encore une fois un livre qui, qui, qui est d'une. d'une d'une. je ne sais pas comment on dit ça en français, d'être comique. C'était le comique de l'époque, si vous voulez. Et, et il est bon qu'on que, qu reconnaisse comment est fait le comique de l'époque. Enfin, c'est les tartes à la crème de l'époque, si vous voulez. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Merci. Alors, vous évoquiez au début, tout au début de l'entretien, l'importance qu'avait eu Saint-Jean de la Croix dans les cours que vous aviez reçus. Donc, passer maintenant au Saint-Jean de la Croix à Thérèse d'Avila, c'est le dernier texte dont je voudrais parler. Euh, traduire les chemins de la perfection, pour citer le titre que vous avez donné à votre choix de texte, a été un exercice inédit, je crois, auquel ni Donoso ni Sardoui « Ni Goiti solo, ni Cervantes, ni Quevedo ne vous avez préparé. » Vous aviez pu dire à propos du texte de Cervantes qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un texte. C'est lui qui nous impose son rythme. Et au cours d'un entretien donné, je crois, à Radio France Internationale en 2015, au moment où oui. vous prépariez le euh, Sainte Thérèse, vous affirmiez que la traduction de Thérèse d'Avila vous avait changé. Chose qu'aucune des traductions antérieures n'avait faite. Mm -hmm. Respect absolu du texte, modestie, humilité face au texte, mm -hmm. sont les enseignements de la mystique du Carmel, dont le style s'efforce pourtant de tendre vers l'absolue clarté. Humilité devant une clarté. Pourriez-vous, s'il vous plaît, évoquer simplement pour nous ce qui, ce qui vous incita à traduire Thérèse d'Avila et ce que supposa cette expérience Alors, merci de me poser la question, parce que vraiment avec Thérèse, parce que moi je l'appelais Thérèse, hein. Euh, ça s'est passé de manière tout à fait différente si je compare avec les, les traducteurs précédents. Thérèse, d'abord, c'est une mystique, c'est une femme inouïe. Je veux dire, euh, il suffit d'entrer dans, dans, dans l'Ilo de la Vida pour se rendre compte à qui on a affaire. Alors, Cervantes, euh, on ne se rend pas tellement compte à qui on a affaire. On a un livre qui est magnifique, mais euh, comment vous dire Thérèse, c'est un personnage et on sait combien elle a souffert. Bon. Le problème a été le suivant, c'est que moi je, ne suis absolu, je suis une athée absolue et que j'avais affaire à une femme qui était, qui était totalement en Dieu. Je suis partie comme ça sur les chapeaux de roue en me disant « Allez va, je t'aurai bien toi aussi. » Et ce qui est arrivé, c'est quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai été obligée d'arrêter. Et alors... Au bout de quand elle a commencé à nous faire, la, à nous faire le traité d'horizon, c'est-à- dire à partir du, du chapitre 12 du livre de la vie, au départ je ne voulais traduire que le livre de la vie, voyez-vous et j'y étais parti comme ça bon. et quand elle cesse de parler de sa propre vie et qu'elle commence à entrer vraiment dans la théorie de l'horizon, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus je commençais à traduire le matin et puis j'allais voir ce qui se passait ailleurs puis je revenais 30 secondes et je ressortais. je ne pouvais plus rester à ma table. Alors, euh, je, à ce moment-là, c'était en mars 2012, on m'a demandé de faire un topo sur euh, Santa Teresa à, à, au Mans. Et j'ai arrêté à ce moment-là de traduire et j'ai écrit ce truc-là et j'ai dit, écoutez, je ne peux pas. Euh, voilà, bon, je ne peux pas. C'est un texte qui vous, comment dirais-je, qui est tout le temps sous l'œil de la censure. Donc, il n'y a pas de, il n'y a rien de ludique dans ce texte. Or, le traducteur, s'il veut créer un temps soit peu dans la traduction, il faut qu'il y ait un aspect ludique, il faut qu'il y ait un aspect ouvert. Or, chez Thérèse, rien. Pourquoi Parce qu'elle est sous l'œil de la censure en permanence de l'inquisition. Alors, j'ai dit, à ce moment-là, euh, comme ça, j'ai terminé mon texte en disant, euh, voilà, eh ben, j'ai arrêté parce que, parce que je ne pouvais plus, j'en pouvais plus, euh, j'en voulais plus. Et du fond, <laughs> et du fond de là. <laughs> Il y a une voix féminine, évidemment, c'est les femmes qui savent, qui connaissent, qui me dit Madame, et si c'était elle qui ne voulait pas de vous Alors, Je l'ai regardée, tout le monde a éclaté de rire, mais moi, ça, ça a ouvert, si vous voulez, une, une, une vérité en moi. Mais évidemment, je ne peux pas traduire des textes purement spirituels. Je n'ai pas le droit. De les traduire parce que moi je ne suis pas assez spirituelle. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, enfin, avec l'aide de copains qui m'ont aidé, parce que j'étais plutôt dame, dame, dame. On dit mais fais une anthologie de textes que toi tu peux traduire, qu'elle te permet elle de traduire. Et c'était ça les chemins de la perfection. C'est une anthologie des textes qu'elle m'a permis de traduire. Vous voyez l'histoire avec Sainte Thérèse que c'était. Incroyable. Mais, et, et tout est vrai, mais point par point de tout ce que je vous ai dit. Et à partir de là, j'ai fait mon anthologie et je me suis remis à traduire. Et j'ai fini. Voilà. C'est une belle réussite. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour euh, votre témoignage sur euh, l'ensemble de votre travail de traduction. Et nous vous remercions donc collectivement pour euh, votre présence aujourd'hui ici. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le... remercie de m'avoir invité ce soir, vraiment.